La séance est ouverte. Bonsoir à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement numéro 540 à l'article 1er. Nous allons donc poursuivre avec des amendements de suppression de l'article. Et le premier, c'est l'amendement 540 qui est présenté par Monsieur Delaporte. Presque. On est presque majeur. J'ai donné la parole à Monsieur Delaporte. On fera le rappel au règlement, si vous le permettez, juste après, Monsieur Ménager. Allez-y, Monsieur Delaporte. Bon, écoutez, merci, chers collègues. On entame une série d'amendements de suppression de cet article. On a déjà eu l'occasion tout à l'heure d'évoquer notre hostilité à cet article premier, puisqu'il s'agit finalement d'une forme de paravent, mais aussi qu'il s'agit d'offrir un âge de départ à la retraite à 64 ans pour tous les nouveaux entrants dans ces régimes. Or, s'il y a bien un sujet qui nous concerne, c'est que nous nous opposons collectivement, en bloc, à ce report de l'âge légal de départ à 64 ans. Donc ce que vous promettez finalement aux futurs chauffeurs de la RATP, aux futures personnes qui seront employées pour aller réparer les lignes à haute tension, vous leur promettez donc la retraite à 64 ans. Et nous, on considère que c'est des métiers spécifiques, que les avantages qu'ils ont aujourd'hui, pour certains, et pas pour tous, je tiens à le dire, parce qu'il faut tordre le cou aux idées reçues selon lesquelles les régimes spéciaux sont des régimes de privilégiés, sont liés à des contraintes qui sont inhérentes à leur fonction. Et que le chauffeur de bus, non, il ne peut pas continuer jusqu'à 64 ans parce que oui, il a le dos brisé bien avant. Donc forcément, on a un sujet commun d'opposition à cet article liminaire parce qu'on ne peut pas promettre cette clause des grands-pères au bébé. Parce que les grands-pères, si vous voulez qu'ils soient encore chauffeurs de bus, c'est peut-être pas ce que nous, nous souhaitons. Merci, monsieur le député. Monsieur Ménager, pour un rappel au règlement, sur quel article ? Sur le fondement de l'article 100, alinéa 5. Monsieur le Président, nous allons entamer, comme l'a si bien dit monsieur Delaporte, une série d'amendements. Exactement 27 amendements identiques du Parti Socialiste qui veut sûrement faire oublier qu'ils ont voté la réforme Touraine, 11 amendements identiques de la France Insoumise et en vertu de l'article 100 alinéa 5, normalement dans une série d'amendements identiques, un seul orateur par groupe est désigné. Donc nous souhaitons, nous au Rassemblement National, parler du fond de cette réforme, de l'article 7, du report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Député, nous souhaitons parler merci, du fond monsieur le député. De cette réforme. Et donc je souhaiterais alors, que l'on respecte le règlement. On va se calmer tout de suite. On va se calmer tout de suite, messieurs, dames. J'ai entendu le rappel au règlement. Nous prendrons les amendements un par un. Ils sont de toute façon signés par un seul à chaque fois de nos collègues. Monsieur Delaporte, vous aviez un rappel au règlement également. Merci, monsieur le Président. C'était pour répondre à nos collègues du Rassemblement national qui manifestement se sont abstenus sur la question pas. Des régimes spéciaux. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas dit d'abord sur quel fondement. Article 100, et vous ne répondez pas à un collègue. Je vais finir collègue. Par vous répondre parce qu'on a eu une interpellation vous me, directe. Vous de me la dites part à moi de, quel est le rappel alors, au règlement que vous cher faites. Cher Président, merci. Deux rappels. Le premier, article 70, mise en cause personnelle. On n'est pas là pour faire de l'obstruction, on est là pour défendre des amendements, pour défendre les travailleurs. Mais ça, manifestement, ça ne parle pas à tout le monde. Deuxièmement, on se réserve la possibilité, évidemment, et vous le verrez ce soir, d'accélérer sur un certain nombre de choses. Et c'est ce que je voulais vous annoncer. On n'est pas là pour bloquer inutilement les débats. Message reçu. Message reçu. Oui. Message reçu, nous passons donc au suivant, le 652, présenté par Monsieur Gedge. Monsieur Gedge n'est pas là, donc nous passons au suivant, le 653, Monsieur Aviragnet. Merci, Monsieur le Président. Alors également un amendement de suppression. Alors pourquoi un amendement de suppression? Écoutez, depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, le gouvernement nous répète sans cesse que cette réforme des retraites serait juste, nécessaire et presque vitale. Alors vous seriez le camp de la responsabilité et du courage, et nous serions celui de la démagogie et de la faillite. Par nous, je vais évidemment dire, les parlementaires opposés à ce projet, mais surtout 3 Français sur 4 qui se sont opposés à cette réforme, 3 sur 4. Car la réalité, elle tord le cou à la communication gouvernementale. Le président du Conseil d'orientation des retraites a lui-même reconnu que les dépenses de retraite ne dérapaient pas. La réalité, que vous connaissez si mal lorsqu'elle vous dérange, c'est que vous servez des retraites pour rembourser le quoi qu'il en coûte.
Et la réalité, c'est que votre réforme est injuste, inéquitable. Vos mesures aggraveront la situation des femmes, des Français ayant eu une carrière hachée ou une carrière longue, et bien sûr, de ceux qui exercent les métiers les plus difficiles. Alors vous mentez à longueur de journée pour faire passer la pilule, et celle-ci est indigeste. Car personne ne peut accepter de travailler 2 ans de plus lorsque vous refusez à taxer les super-profits des grosses entreprises. Personne ne peut accepter de perdre 2 ans d'une retraite méritée quand les dividendes des entreprises du CAC 40 explosent sans aucune super-imposition. Alors cette réforme, elle est aussi brutale qu'impopulaire. Les Français n'en veulent pas. Alors pour une fois, écoutez les Français et retirez-la. Merci, monsieur le député. L'amendement 654, monsieur Califère. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Ces régimes spéciaux sont en effet nés pour mieux compenser la pénibilité intrinsèque des métiers qui y sont exercés. En l'enfermant par cet article 1, le gouvernement va mécaniquement faire intégrer les nouveaux travailleurs dans ces régimes dans le droit commun, c'est-à-dire le régime général et sans compensation. Et donc, il y a lieu pour nous encore de le redire dans cette Assemblée. Et pour une illustration, un travailleur qui aura suffisamment de points sur son compte de pénibilité CDP pourra partir 2 ans avant le nouvel âge légal de départ anticipé, soit 62 ans, donc plus tard que dans la plupart des régimes spéciaux ici visés. De plus, ce CDP souffre de nombreux défauts, notamment la suppression de la reconnaissance de 4 critères de pénibilité, suppression opérée par ce gouvernement en 2017. Dans ce contexte, nous croyons qu'une telle fermeture des régimes spéciaux va profondément dégrader l'attractivité des métiers exercés. Et à l'heure de la bifurcation écologique, de la transition énergétique, nous avons plus que besoin de certains métiers. Et nous disons qu'avant de travailler le droit à la retraite, il vaut mieux valoir de travailler le droit au travail. En tout état de cause, on ne peut supprimer ces régimes sans une expertise objective et exhaustive qui permettrait de faire le point et de réintégrer les 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés. Voilà, Monsieur le Président, notre raison de demander la suppression de cet article 1er. Merci, monsieur le député. On va essayer de faire taire l'espèce de petit bruit de fond qui est très désagréable pour tout le monde, pour les orateurs en particulier, si vous voulez avancer. Alors, le 655, je ne vois pas, mais peut-être monsieur Baptiste, il n'est pas là. Le 656, madame Baptistel n'est pas là. Le 657, je suis sûr qu'il est là. Monsieur Boulou. Je laisse passer, merci. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. De nos débats sur la réforme des retraites se dégagera un constat. C'est une réforme injuste et brutale, dont l'article 1er est une illustration parmi d'autres. La suppression des régimes spéciaux de retraite est un serpent de mer qui fonctionne sur l'attisement des rancœurs et des ressentiments, c'est-à-dire sur ce jeu dangereux opéré par le gouvernement et qui consiste à opposer les Français entre eux. Divider ut regnes, divise afin que tu règnes, ou encore diviser pour mieux régner, telle est la devise méthodique, pour ne pas dire mécanique, utilisée par le président de la République, appuyée en cela par le gouvernement de la majorité présidentielle. Alors que la France a besoin d'union, de concorde, vous divisez. En 2017, le gouvernement supprime 4 des 10 critères de pénibilité inscrits au Code du travail, au prétexte que le seuil d'exposition était jugé inquantifiable. Par qui ? Par le patronat. On sent bien de quel côté la Macronie tend l'oreille. Par cet amendement, le gouvernement veut aller encore plus loin dans la brutalité de 2017. Il veut mécaniquement faire intégrer les nouveaux travailleurs des régimes spéciaux dans le droit commun, c'est-à-dire dans le régime général et sa compensation très insuffisante de la pénibilité. Les chauffeurs de métro ou les mineurs qui ne voient que rarement la lumière du jour, les chauffeurs de bus à Paris qui doivent se lever très tôt
parce qu'ils habitent en banlieue. Ils subissent la dureté du travail. Toutes et tous, mécaniquement, ne pourront bénéficier du régime spécial qui les protégeait afin qu'ils puissent vivre une retraite à l'heure où leur corps n'était pas encore totalement usé. Mécaniquement, merci. Face à l'inhumanité de cet article 1er qui confère à l'indécence, il n'y a qu'une seule solution, le retrait de cet article, le retrait de ce texte. Merci. Merci, monsieur le député. Le 658, monsieur Brun. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Cet article 1er a le mérite de cumuler toutes les incohérences. La première d'entre elles, c'est un article qui prétend faire des économies et qui, en vérité, va coûter très cher à nos finances publiques, puisque le financement de la mesure de l'extinction des régimes spéciaux n'est pas prévu par le présent texte. Deuxième incohérence, ce gouvernement qui se fait fort de mettre en exergue le dialogue social au sein de l'entreprise qui résoudrait tous les problèmes face au rôle de la loi, eh bien, ce gouvernement-là souhaite mettre en cause ce qui résulte justement du dialogue social. Ces régimes qui résultent de conquêtes sociales et de la pénibilité que les travailleurs ont su mettre en exergue et défendre afin d'obtenir des justes compensations. En supprimant ces régimes spéciaux, mes chers collègues, nous nous exposons finalement à la pénurie de recrutement que nous rencontrons aujourd'hui dans nos services publics. Et je pense notamment à nos chauffeurs de la RATP, je pense évidemment à nos cheminots, et je pense aussi à tous les métiers des industries électriques et gazières. Je pense à ceux qui travaillent dans nos centrales nucléaires, je pense à ceux qui travaillent dans nos barrages hydroélectriques, qui font des métiers particulièrement pénibles. Et nous ne trouvons pas aujourd'hui de personnes qui acceptent de faire ces métiers. Supprimer ces régimes spéciaux, c'est tout simplement supprimer le service public. Merci, monsieur le député. Le 659, monsieur David, n'est pas là. Le 660, monsieur Delautrette. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous nous dites, au titre de l'équité, vouloir régler le problème des régimes spéciaux, mais pas tous. Vous nous dites que les régimes spéciaux sont déficitaires. Or, force est de constater qu'un certain nombre d'entre eux sont excédentaires. En les versant au droit commun, c'est accepter le départ de ces salariés à 64 ans et nous nous y opposons. C'est surtout ignorer la pénibilité de ces métiers. Et je vous rappelle que c'est votre majorité qui a supprimé les principaux critères de pénibilité que vous auriez pu reprendre dans votre texte. Et c'est bien la raison pour laquelle il n'y a qu'une solution, c'est le retrait de cet amendement. Merci, monsieur le député. 661, monsieur Échaniz. Merci, monsieur le président. Je pense que ce qu'a dit mon collègue Stéphane Delautrette est très juste. On a une véritable opposition sur notre vision des choses sur le régime spéciaux. Nous, on est plutôt sur la volonté d'aligner vers le haut et la majorité de niveler vers le bas. Donc c'est une vraie question, oui, d'équité, mais nous, on veut plus de droits, plus de qualité de travail pour les métiers difficiles, y compris parmi les régimes spéciaux. Donc il faut retirer cet article premier, ou en tout cas voter contre, parce que la logique des choses veut qu'on s'uniformise vers une logique de mieux et pas toujours retirer des acquis ou plutôt des conquis sociaux aux différents secteurs du public comme du privé. Je vous remercie. Merci. Le 662, monsieur Olivier Faure n'est pas là. 663, monsieur Garraud. La suppression des régimes spéciaux, en fait, c'est un prétexte pour la majorité. C'est un prétexte pour justifier une réforme qui est fondamentalement injuste. Les Français l'ont bien compris. C'est en fait une tête de gondole pour vous. Mais ça ne masque pas ce que vous avez fait et la façon dont vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a eu consultation? À peine. Est-ce qu'il y a eu concertation? Pas le moins du monde. Est-ce qu'il y a compensation? Pas davantage. Pour toutes ces raisons, il est logique que nous demandions aujourd'hui la suppression de cet article. Merci. Le 667, madame Caramanli,
Je ne la vois pas. 668, Madame Hachy. Elle est là. Oui, merci. Alors, simplement pour rappeler que les régimes spéciaux sont un progrès social obtenu à la suite d'une lourde bataille syndicale. Revenir dessus, c'est tout simplement régresser. Ce ne sont pas des valeurs de progrès social que nous portons, nous, aujourd'hui, au Parti socialiste. Par ailleurs, vous le savez, chers collègues, les métiers de la RATP souffrent d'un grand manque d'attractivité. Il suffit de prendre les transports en commun pour se rendre compte de l'impact du manque de personnel dans les réseaux franciliens. En 2022, 1500 postes de chauffeurs de bus étaient à pourvoir, seulement 700 ont été pourvus. Si vous vous attaquez au régime spécial de la RATP, les métiers seront encore moins attractifs et les difficultés du réseau grandiront évidemment. Merci Madame la députée. Le 669, Monsieur Le Seul. Merci Président. Chers collègues de la majorité, votre article premier qui prévoit la mesure de suppression des régimes spéciaux doit être combattu au même titre que l'ensemble de votre mauvais projet de réforme. À l'insincérité des justifications de votre réforme s'ajoute l'incompréhension des mesures envisagées. Dès l'annonce de votre projet et l'adoption de votre texte en commission, celui-ci a aussitôt suscité les réactions des Françaises et des Français qui défilent dans la rue et s'interrogent sur la logique présidente à l'extinction de certains régimes spéciaux quand d'autres vont subsister. Plusieurs régimes spéciaux du Sénat, des avocats, de l'Opéra de Paris ou encore de la Comédie-Française seraient conservés. Pourquoi conserver celui des sociétaires de la Comédie-Française ou de l'Opéra, que par ailleurs je respecte totalement et que je défends ? Est-ce que être agent EDF grimpant sur des pylônes est moins pénible physiquement qu'être comédien ou musicien ? Cette absence de cohérence provoque une incompréhension totale chez nos concitoyens. Alors oui, dans ces conditions, nous suggérons de ne pas supprimer les régimes spéciaux, comme nous proposons de ne pas voter ce projet de réforme, car le régime actuel garantit une retraite plus digne que celle que vous envisagez pour nos concitoyens. Et par ailleurs, les Françaises et les Français ont bien conscience que votre réforme épargne les riches et les élites qui bénéficient la plupart du temps de complémentaires, voire de surcomplémentaires et de certaines retraites chapeaux qu'on appelle les sur-surcomplémentaires. Cette réforme est injuste. Nous vous redisons fermement, retirez ce projet. Merci, monsieur le député. 671, monsieur Petit, je ne le vois pas. 672, madame Pic. Merci, Monsieur le Président. Depuis plus de 5 ans maintenant, les gouvernements successifs ont fait du démantèlement des droits sociaux un véritable mantra. Texte après texte, nous n'avons de cesse de renier les droits collectifs obtenus par des décennies de mobilisation des salariés. Avant-hier, la réforme de la SNCF. Hier, celle de l'assurance chômage. Aujourd'hui, les régimes spéciaux des retraites, comme si les avantages conquis de haute lutte et la solidarité nationale relevaient de l'inconvenance, alors qu'ils sont le fruit de l'histoire française. Quelles seront vos prochaines cibles ? Quelle sera la suite ? La privatisation intégrale de l'assurance maladie ? La suppression d'une semaine de congés payés ? Je préfère m'arrêter ici au risque de vous donner trop d'idées. À l'image de l'opposition brave et courageux travailleurs contre fainéants profiteurs que vous tentez d'instaurer depuis plusieurs semaines pour justifier votre réforme des retraites, vous opposez en l'espèce les privilégiés des régimes spéciaux, les lésés du régime général. Au-delà de l'injustice des mesures, les éléments de langage que vous utilisez pour les justifier ne font que monter les Français les uns contre les autres, sans vous interroger sur les dégâts qu'ils causent sur la cohésion sociale. In fine, ce n'est pas seulement aux régimes spéciaux que vous vous attaquez, c'est la singularité sociale de la France que vous méprisez. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à supprimer cet article premier. Merci Madame la députée. 673, Madame Pires-Bonne, je ne la vois pas. 675, Madame Rabault, je ne la vois pas. 676, Madame Rouault, que je vois. Merci. Tout d'abord, Monsieur le Président, il nous semble que le son est moins bon sur les micros. Je tiens à le signaler. Je parce crois que, aussi. Voilà, ça serait bien de remonter un peu les micros, surtout au moment où j'ai la parole. Allez-y, Madame Roux. Je suis sûr qu'on va vous entendre voilà, dans le plus grand silence. Merci, Monsieur le Président. Juste une chose. Donc, les régimes spéciaux étaient nés pour
combler finalement quelques contraintes ou pénibilités du travail. Le premier régime qui a été supprimé, c'est celui de la SNCF et notamment des conducteurs de train, un métier que je connais très bien. Être conducteur de train, c'était travailler les vacances scolaires, c'était avoir juste une période l'été, c'était travailler de nuit à n'importe quelle heure, c'était en fin de carrière travailler 3 dimanches, 3 week-ends sur 4. Le bonus, c'était partir à 50 ans. Les réformes sont passées par là et donc aujourd'hui, les conducteurs de train partent à 57, 58 ans. Et ce qui se produit, alors même que nous devons développer les services publics, eh bien, il n'y a plus de conducteurs de train. Il y a une défaillance terrible au niveau des TER, mais au niveau des grandes lignes. Ce qui s'est passé à la SNCF, si vous touchez à ces régimes spéciaux de la RATP et bien d'autres, eh bien, demain, nous aurons les mêmes pénuries du service public. Merci, Madame la députée. Si on veut mieux s'entendre, je pense que si collectivement l'hémicycle fait un peu moins de bruit, je suis persuadé que ça aidera aussi. 677, Madame Santiago. Oui, Monsieur le Président, comme mes collègues, nous vous demandons donc de supprimer cet article qui vise à, évidemment, je vais prendre l'exemple de la RATP puisque ça les concerne. Je suis élue d'un département, le Val-de-Marne, l'Île-de-France. On sait aujourd'hui la difficulté de recruter des chauffeurs de bus. Et la suppression donc, de cet article vous est demandée pour accompagner en fait, ces régimes spéciaux qui sont dans cette réalité quotidienne actuellement de transfert et de difficultés pour de nombreux franciliens dans les transports en commun et du coup du besoin nécessaire de recrutement. Et donc je confirme que nous vous demandons de retirer cet article. Merci. 678, Monsieur Solignac. Merci, Monsieur le Président. Il faut absolument que le gouvernement puisse faire la démonstration que ce texte comporte un certain nombre de marqueurs, marqueurs de justice, marqueurs d'équité, marqueurs d'extinction de soi-disant privilèges. Et cet article premier est le moyen par lequel le gouvernement veut faire croire que son projet de loi n'est que justice, alors qu'en réalité, il est à peu près tout l'inverse. De quoi parle-t-on ? On parle de 500 000 cotisants sur 28 millions. On essaye de faire croire que l'ensemble de ces régimes serait extrêmement coûteux pour les finances de l'État, ce qui est assez caricatural quand on sait que certaines réserves, notamment s'agissant des caisses de la Banque de France ou des clercs de notaire, sont particulièrement bien fournies. Et donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de logique dans le choix que le gouvernement a pu faire pour supprimer certains régimes spéciaux et pas d'autres. Vous supprimez le régime des gaziers, vous ne supprimez pas, et j'ai rien contre eux évidemment, celui de la Comédie française. Vous comprenez que, et vous comprendrez que nos concitoyens ne voient là-dedans absolument aucune logique. Et dès lors que cette façon de procéder, en quelque sorte, par des suppressions à la carte, n'est comprise par personne, elle n'est qu'injustice et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer ou sinon supprimer cet article premier. Merci. 679, Madame Thomas. Merci, Monsieur le Président. Quand on veut supprimer un acquis de progrès social pour des travailleuses et des travailleurs, on parle de privilèges. Quand on évoque des régimes spéciaux, on parle d'anomalies à corriger par une bonne réforme. Pourtant, on parle de système de solidarité professionnelle, de ces métiers issus de conventions collectives légitimement négociées et signées pour compenser les nuisances inhérentes et dont l'exercice mérite une attention particulière. Alors forcément, c'est l'expression d'une solidarité professionnelle qui ne colle pas avec votre vision du travailleur solitaire et ubérisé. C'est aussi un idéal et un horizon plus qu'une anomalie. Une certaine conception de la retraite et un espoir salarial que le régime général ne permet plus. Régime général géré par les coûts, non par les besoins. Bien sûr, des améliorations sont possibles et nous sommes prêts à en discuter. Or, vous choisissez la suppression et donc le nivellement des régimes par le bas, sans apporter de réponse concernant les carrières et la pénibilité, une fois l'alignement effectué sur le régime général. Au surplus, vos choix illustrent l'arbitraire. Pourquoi prendre quelques régimes et pas tous, si ces droits des salariés vous semblent des privilèges insupportables?
On comprend aisément que derrière cet article, il ne s'agit pas de moderniser la retraite, mais de dégager des économies, faire du rendement. Derrière cette suppression abrupte, il y a des réalités. J'ai reçu des courriers de Monique, de l'Opérette, de Véronique, de Plougastel, dans le Finistère. Toutes deux salariées dans un office notarial. Allons, on laisse terminer l'oratrice. Leurs pensions vont baisser de 25%, et pourtant, elles devront travailler plus longtemps, comme de nombreuses femmes bénéficiaires aujourd'hui de la caisse de retraite des salariés du notariat. Comme moi, elles ne comprennent pas cette injustice alors que leur caisse est excédentaire. Que dois-je leur répondre si ce n'est qu'un arbitrage budgétaire a rompu le pacte social sur lequel leur retraite reposait ? Merci, Madame la députée. Vous ne nous diviserez pas. Merci. 681, Monsieur Vallot, je ne le vois pas. Non, 682, Monsieur Vico, je ne le vois pas. 1037, alors Monsieur Ruffin, je ne le vois pas, c'est Madame Stambach-Ternoir qui le défend. Merci, Monsieur le Président. Détruire les régimes dits spéciaux, vieille marotte des libéraux et de la Macronie. Après avoir supprimé 4 critères de pénibilité, vous essayez une fois encore de faire passer des conditions de travail difficiles pour des avantages indus. Au nom de l'équité que vous avez chevillée au corps, vous voulez les faire travailler plus longtemps, ces privilégiés d'EDF, qui grimpent à des pylônes électriques dans la fournaise de l'été, comme dans le gel en hiver, qui passent des heures à genoux devant les coffres électriques à toute heure du jour et de la nuit. N'écoutant que votre sens aigu de la justice, vous voulez les faire trimer plus longtemps, ces privilégiés de la RATP qui conduisent des trains toute la semaine, les week-ends et jours fériés aussi, qui répètent toujours les mêmes mouvements jusqu'à développer des troubles musculo-squelettiques. La vérité, c'est que ces personnes peuvent partir plus tôt en retraite aujourd'hui parce qu'elles ont une espérance de vie inférieure à l'ensemble de la population. Est-ce que ce n'est pas exactement ça, la justice, la fameuse équité que vous brandissez à tout bout de champ ? Vous devriez avoir honte. C'est l'inverse de ce que propose cet article qu'il faut faire. L'ensemble des travailleurs qui ont des emplois difficiles physiquement ou même psychologiquement doivent pouvoir se reposer plus tôt et profiter de leur retraite sans être complètement cassés. Et nous ne sommes pas dupes. Vous désignez de faux coupables, désignez de faux privilégiés d'en bas pour épargner les véritables privilégiés d'en haut. Les ultra-riches et le CAC 40 que vous gavez d'argent public pendant que vous demandez aux gens de se serrer la ceinture et de travailler plus longtemps. Vous tentez de monter les Français les uns contre les autres pour détourner notre regard de l'essentiel. Avec ce projet de loi, c'est tous les Français qui vont prendre 2 ans ferme. 2 ans de travail en plus, 2 ans de bonheur volé. Mais les gens l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils étaient encore aujourd'hui 2 millions dans les rues de toute la France et qu'ils seront encore plus nombreux samedi 11 février. Non. Merci, à cet article 1, non à ce projet de loi, merci. Oui à la retraite. Alors... Le 1071, Monsieur Tavel. Merci, Monsieur le Président. Par cet article, vous réussissez l'exploit de faire 4 aveux à la fois. Le premier, c'est que là où les régimes dits spéciaux, qui sont pour nous des régimes pionniers, qui sont une promesse d'amélioration par l'universalisation de leur régime à l'ensemble des Français, vous faites, vous, une promesse de régression. Tout le monde prendra 2 ans de plus à cause de vous. Sauf si nous vous battons comme nous allons le faire. Vous voulez condamner les Français à travailler 2 ans ferme de plus et vous, rien ni personne ne doit échapper à votre brutalité. Nous vous battrons. Le deuxième aveu, c'est que vous n'avez que la division pour essayer de gagner. Vous voulez diviser les Français, attiser des ressentiments, chercher des boucs émissaires, mais les Français vous répondent par l'unité la plus large, dans la rue, dans l'action, dans tous les sondages. Ils ne sont pas dupes de votre jeu. Le troisième aveu, c'est qu'en détruisant les régimes spéciaux, vous voulez ni plus ni moins continuer à détruire le service public. Vous avez détruit le service public d'électricité qui met le pays dans l'état dans lequel il est, y compris des artisans, des commerçants qui ne peuvent plus payer les factures à cause de vous. Vous êtes en train de bordéliser le service public du rail parce que la réforme précédente des régimes spéciaux fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes qui veulent devenir conducteurs de train et vous êtes en train de créer pour demain les mêmes pénuries à la RATP et ailleurs.
Vous êtes surtout le quatrième aveu, c'est que vous voulez protéger le régime très spécial des ultra-riches et des PDG. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, 2,4 millions d'euros de pension par an. Lui n'est pas concerné par votre réforme. Le PDG d'Accor, M. Bazin, parti après 8 ans seulement, avec 250 000 euros de bonus par an. Charles Edelstein de Dassault Systèmes, 1 million d'euros par an. Merci, monsieur le député. La justice, ce n'est pas les agents du service voilà. public. C'est... Merci, monsieur le député. Le 1268, qui le défend, c'est monsieur Coulomb. Monsieur le ministre du Travail forcé, il y a dans votre projet de loi deux incohérences que nous n'avons pas encore examinées ici. Alors vous voyez, on ne manque pas d'arguments pour démonter finalement cette infâme loi des retraites. Tout d'abord, il y a 14 demandeurs d'emploi dans ce pays pour un seul emploi accessible. Et malgré le manque d'emplois accessibles, vous voulez reporter de 2 ans l'âge de la retraite de ceux qui sont déjà en activité. Vous allez reporter d'autant l'accès aux emplois que nos seniors occuperont donc pendant 2 années de plus. Et les jeunes demandeurs d'emploi devront donc attendre 2 années de chômage en plus. Vous allez faire comment ? Vous allez les rémunérer ? Ah ben non, j'avais oublié que vous avez également drastiquement diminué les durées d'indemnisation et les montants d'indemnisation. Donc vous allez, par ce biais-là, créer encore beaucoup plus de travailleurs pauvres et de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième incohérence, en faisant travailler les gens 2 ans de plus, vous allez produire, c'est peut-être votre intention, davantage de services et davantage de produits. Mais il est où votre marché accessible ? Ce marché-là n'existe pas. Il faudrait que vous ayez préalablement augmenté le SMIC pour qu'il y ait une demande qui remonte et encore. Ça ne suffirait peut-être même pas, mais donc, il faut augmenter les salaires si vous voulez qu'il y ait une demande qui augmente dans les mêmes proportions que ces emplois que vous allez faire perdurer chez les seniors qui produiront plus de services et plus de produits, plus de marchandises, plus de biens manufacturés que finalement, il n'y aura aucun acheteur, aucun acquéreur, aucun consommateur. Donc, c'est une deuxième aberration et j'aimerais bien que vous nous expliquiez par quelle logique formidable vous pouvez expliquer ce phénomène. Merci, monsieur le député. Nous poursuivons avec l'amendement 1536 qui défend madame. Pardon, c'est madame Auziol. Auziol, oui. Plus ce gouvernement explique que cette réforme des retraites est juste, plus les gens comprennent qu'elle est injuste et injustifiée. Après l'article liminaire, le premier article de votre projet de loi s'attaque ainsi aux régimes spéciaux en demandant leur suppression. C'est-à-dire que cette réforme commence par un assaut sur une conquête sociale qui a permis de prendre en compte des facteurs de pénibilité ou le fait que les salariés ont une espérance de vie diminuée par le travail. Alors on ne peut pas dire que nous sommes vraiment surpris puisque c'est en 2017 que 4 critères de pénibilité ont été supprimés. Par vous, exactement. Dans la manifestation à Paris tout à l'heure, comme dans toutes les villes de France, pour la 3e grande journée de mobilisation dans le pays, il y avait aussi les salariés de l'énergie, il y avait aussi les salariés de la RATP, dont vous voulez détruire le statut. Personne ne vous croit quand vous venez expliquer que la suppression des régimes spéciaux serait une mesure de justice sociale et d'équité. Tout le monde a compris que les travailleurs seront équitablement forcés à s'abîmer 2 ans de plus au travail. Les hommes, les femmes, celles qui ont des carrières hachées, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont commencé à travailler tard, les régimes spéciaux et le reste. Tous vont prendre un tarif de 2 ans supplémentaires. Et vous êtes particulièrement culottés de nous dire aujourd'hui que cette mesure permettrait de préserver notre système de retraite par répartition, quand c'est vous-même qui vouliez le saccager en 2020 pour mettre en place un système de retraite à points. D'ailleurs, il y avait sur l'un des camions syndicaux de la manifestation de cet après-midi cet énorme ballon avec inscrit dessus EDF-GDF 100% public. Car voyez-vous, les gens font directement le lien entre votre projet de destruction du système des retraites et la destruction méthodique du service public que votre courant politique ultralibéral s'est appliqué à mettre en œuvre depuis 30 ou 40 ans. Merci, madame la députée. Merci. Merci. Le 1986, qui le défend au groupe LFI ?
Madame Kéké. C'est vous, madame. Allez-y, chers collègues. Merci, monsieur le président. Par cet amendement, nous souhaitons que le régime spécial des industries électriques et gazières soit maintenu. Les régimes spéciaux sont le résultat de plusieurs luttes des travailleuses et travailleurs pour faire reconnaître la pénibilité de leur métier. Ce ne sont pas des privilèges, contrairement à ce que les uns essaient de nous faire croire, mais des conquis spéciaux. Nous devons tous protéger une société juste et soucieuse des salariés. Vous mentez aux gens en pensant votre temps à dire que cette réforme est nécessaire à ce que la seule solution pour maintenir notre système de retraite. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Votre réforme, c'est du vol. Du vol parce que vous voulez voler 2 années de vie à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du pays, alors que la solution existe. Il faut juste aller les chercher. C'est pour cela que nous vous battrons ici dans les rangs de l'Assemblée nationale, même aux côtés des millions de travailleuses et travailleurs, des jeunes et des retraités de ce pays, vous ferons battre en retrait. Merci. Merci, madame la députée. Le 2017, qui le défend, c'est monsieur Guiraud. Bien. C'est ce qu'on fait. Le 21 février 2022, un retraité de la RATP a reçu un curieux courrier de son ex-entreprise que je vais vous lire. Madame, monsieur, vous avez pris votre retraite de machiniste receveur et vous êtes toujours attaché à notre entreprise. Votre permis de transport en commun est toujours en cours de validité, ainsi que votre carte de qualification conducteur. La RATP a besoin de vos compétences et nous vous proposons de reprendre du service pour une durée déterminée à votre convenance. Bravo, chers collègues. Vous êtes formidables. Non seulement vous voulez faire bosser les gens plus longtemps, mais en plus, quand ils sont à la retraite, vous avez tellement cassé le statut des machinistes de receveurs de la RATP que vous voulez les faire revenir au boulot, chers collègues. Est-ce que vous vous rendez compte, 5 secondes, de l'absurdité du système dans lequel vous nous avez plongé? Alors, c'est superbe, hein? Vous, ça ne vous concerne pas. Mais en 2022, sur les 1500 postes de la RATP, il y en avait encore 700 postes à pourvoir. Parce que plus personne ne veut faire ces métiers à cause de vous. Alors peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais pour les usagers du RERC, par exemple, qui ont vu leur RER 19 trains supprimés sur le mois de septembre, oui, les usagers sont directement victimes de votre politique de casse sociale, de votre politique de casse des conventions collectives que les travailleurs ont acquis de haute lutte. Et n'allez pas nous dire que c'est facile, ces métiers. Quand on est à la SNCF et qu'on conduit des trains, est-ce que vous avez déjà ouvert, ne serait-ce qu'une seule seconde, le planning d'un conducteur de train qui ne voit pas sa famille pendant des jours et des jours? Est-ce que vous avez déjà constaté les conséquences sur la santé des conducteurs de la RATP qui travaillent dans le noir, qui travaillent avec des particules fines et qui sont fatigués? On laisse M. Guiraud terminer, sinon je vais lui donner 5 secondes de plus. Plus personne ne voudra faire rouler vos trains et plus personne ne voudra faire rouler ce pays. Voilà où nous vous menez. Chers collègues, je laisse à chaque orateur 2 minutes tout rond. Donc on laisse les 2 minutes pour présenter son amendement. C'est beaucoup plus simple que ça fonctionne comme ça. Alors sur le vote des amendements 540 et identiques, je suis saisi d'ailleurs par le groupe LFI, par le groupe GDR, d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et j'appelle l'amendement 2134. C'est monsieur Davy qui le défend. Oui, merci monsieur le président. Alors, chers collègues, à cette heure tardive, j'ai un scoop pour vous. Si les régimes spéciaux n'existaient pas, en fait, il faudrait les inventer. Alors, pourquoi? Quels sont les grands enjeux auxquels nous faisons face? D'abord, le changement climatique. Et pour résoudre le changement climatique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut quoi? Eh bien, des transports en commun, chers collègues. Deuxième enjeu, la souveraineté énergétique, pour que nous soyons enfin plus comptables du gaz russe
et du pétrole saoudien pour que nous ayons 100% d'énergie renouvelable. Et bien pour avoir de 100% d'énergie renouvelable et souveraineté énergétique, il faut des électriciens, des gaziers, il faut transformer complètement notre appareil de production. Et c'est quoi le problème actuellement? C'est que ces métiers, et on les uns et les autres, on vous le dit là, ces métiers ne sont plus assez attractifs parce que les services publics ont été cassés. Et alors comment on peut les rendre plus attractifs? Vous aimez bien le mot attractif. Pour vous, c'est l'attractivité des métiers, c'est quelque chose qui doit vous parler. Alors votre solution en général, c'est les primes. On leur donne des primes, travaillez plus pour gagner plus. Mais j'ai un deuxième scoop pour vous. Eh bien, c'est plus l'esprit du pays, c'est plus l'esprit du monde aujourd'hui. Les gens ils veulent bénéficier du temps, du repos, de s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils veulent du temps libre. Et donc, évidemment, si vous voulez que ces métiers soient revalorisés, une solution, c'est les régimes spéciaux. C'est les conquis, c'est les conquêtes sociales que nous avons eues. Et au lieu de ça, je conclurai là-dessus, eh bien, vous divisez le pays. À un moment, on devrait être unis. Pour engager la bifurcation écologique, vous choisissez la division. Eh bien non, nous on choisit l'unité et on se bat avec les autres pour changer de société. Merci. Le 37-99, alors qui le défend, groupe écologiste, M. Pétavi? C'est bon. Ça marche, oui. Merci Monsieur le Président. Alors cet article illustre le sinistre plan du gouvernement pour espérer faire passer cette réforme. Diviser les Françaises et les Français en s'attaquant aux régimes spéciaux, ou du moins à certains d'entre eux. Car qu'en est-il des régimes spéciaux créés sur mesure pour les patrons du CAC 40? Voulez-vous fermer le régime de la RATP, mais comptez-vous fermer aussi le régime spécial de Dassault, qui verse 1 million d'euros par an à ses anciens dirigeants? Ce qui divise réellement les Français, ce sont les 160 milliards d'euros de cadeaux en aide publique que vous faites chaque année aux entreprises sans aucune contrepartie, car les salaires n'augmentent pas et les conditions de travail s'empirent. Ce qui divise les Français, c'est ce système de santé à deux vitesses et c'est l'hôpital public que vous avez saigné à vif par des coupes budgétaires sur le dos du personnel soignant. Vous voulez diviser les Français, mais la réalité, c'est que les Français n'ont jamais été autant unis depuis 1995 pour dire non à cette réforme qui fait payer tout le monde, sauf les plus riches. Les 2 millions de Françaises et Français dans la rue ne font que réclamer ce qui leur est dû. Car oui, la retraite est un droit, celui pour chacun et chacune d'avoir un revenu décent à tout âge de la vie. La retraite, c'est la promesse de notre État social, du droit au repos pour toutes et tous, après avoir passé sa vie à la gagner. C'est le droit à profiter de ses petits-enfants et c'est le droit à la paresse. Oui, nous le revendiquons. Le gouvernement, dans tout son déshonneur, ose affirmer que cette réforme est une promesse de dignité. Mais quelle dignité comptez-vous rendre à Hervé, 61 ans, qui depuis 6 ans a envoyé plus de 500 candidatures sans aucune réponse? Par cet amendement, nous disons donc au gouvernement que la dignité, pendant et après le travail, ne se mérite pas. Bénéficier d'un repos digne après une vie de travail est un droit. Et c'est un droit que nous défendrons sans relâche sur les bancs de cette Assemblée et aujourd'hui dans la rue. Merci, monsieur le député. 39-98, monsieur Le Gavre. Oui, nous demandons le maintien des régimes spéciaux parce que rien, absolument rien ne justifie qu'on touche à quoi que ce soit de quelque régime de retraite que ce soit. Au nom de 12 milliards qui, soi-disant, manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027, vous collez deux ans ferme à tout le monde et vous prétendez liquider tous les acquis. Mais en un claquement de doigts, vous trouvez 413 milliards pour les dépenses militaires. Mais à coup d'exonération de cotisations sociales, vous avez volé plus de 60 milliards à la Sécu, rien qu'en 2022. S'attaquer aux régimes spéciaux, c'est la vieille ficelle réactionnaire, consistant à chercher à opposer les salariés entre eux. Mais pour tous les salariés, il s'agit de la même attaque. Réduire les retraites pour tous, point barre. Et puis qu'est-ce que c'est au fond que les régimes spéciaux? Des régimes pionniers, on vous l'a dit. Avant 1945, il y avait les régimes de mineurs, de cheminots, de fonctionnaires et de la RATP. En 1946, il y a eu le régime d'EDF. Ces régimes ont défini les prestations définies, le salaire de remplacement, les catégories actives, ces métiers pénibles que par votre réforme, vous voulez faire travailler deux ans de plus. Tous les droits,
en matière de retraite viennent des régimes spéciaux et ils ont été gardés en 46 tant que le régime général n'assurait pas les mêmes droits. C'est toujours le cas, il faut donc les maintenir. Vous cherchez à opposer les travailleurs entre eux, mais cela ne marche pas. Le rejet de votre réforme est énorme, comme le montrent les manifestations massives avec l'ensemble des syndicats unis pour obtenir le retrait de votre réforme. Et nul doute que les salariés des régimes concernés par les régimes spéciaux sauront utiliser les moyens à leur disposition avec leurs syndicats aux côtés des autres salariés pour vous imposer le retrait de votre réforme. Pour notre part, nous les soutenons et nous les soutiendrons totalement. Voilà, on reprend un petit peu son souffle. Le 59-53, Madame Le Duc. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, cet article 1 qui vise à supprimer les régimes spéciaux, c'est quoi ? En réalité, c'est une manœuvre de diversion pour faire oublier le cœur de votre réforme. Le cœur de votre réforme, c'est faire travailler les gens 2 ans de plus, leur voler leurs 2 plus belles années de vie à la retraite, et notamment pour les plus précaires, les plus fragiles et prioritairement les femmes. Cette manœuvre de diversion, elle ne fonctionne pas. Les Français rejettent massivement votre projet. 93% des actifs, 80% des Français, les jeunes aussi sont dans la rue partout en France. Chez moi à Metz, encore aujourd'hui 10 000 manifestants. C'est un rejet massif. Les Français usent de pédagogie avec vous. De la pédagogie par la répétition, 3 démonstrations de force dans la rue historique et vous refusez toujours d'entendre. Cette manœuvre de diversion, c'est de faire croire que les régimes spéciaux sont des privilèges. Or, ce sont des conquêtes sociales obtenues par la lutte des travailleuses et des travailleurs. Ces régimes spéciaux sont des régimes pionniers qui ont servi d'exemple pour la création du régime général et qui doivent continuer à nous montrer la voie à suivre. Vous voulez niveler par le bas, car cela vous sert à diviser. Mais les Français ne sont pas dupes. Si vous voulez aligner les régimes, alors faites-le par le haut, une retraite à 60 ans avec 40 annuités pour toutes et tous. Nous savons la financer et nos compatriotes y sont favorables à 68%. Certains des régimes spéciaux sont excédentaires et participent à la solidarité avec les autres régimes, notamment le régime général. Les supprimer est un non-sens économique, en plus d'être un recul des droits pour de nombreuses travailleuses et nombreux travailleurs. Vous choisissez certains régimes, mais pas d'autres. Vous supprimez celui de la RATP, mais pas celui des avocats. Vous supprimez celui des industries électriques et gazières, mais pas celui des médecins. Pourquoi ? N'est-ce pas là une politique de classe ? Avec cette suppression, vous faites diversion pour faire oublier le principal, le vol de 2 ans de retraite à tous les Français avec le passage de l'âge légal à 64 ans. Et c'est non, massivement non. Merci, Madame la députée. Le 86-92... C'est Madame Garin. C'est exactement le même nom. Pardon. C'est le bon nom. Pardon, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Madame ? C'est Madame Garin. Oui, mais oui, c'est Madame Garin. Vous avez la parole. Merci. Finalement, avec la suppression des régimes spéciaux, on a l'impression que vous passez un petit peu à côté de l'histoire de ces régimes spéciaux et d'où ils viennent. Et je crois qu'avec la clause du grand-père, on a un petit peu l'impression que vous essayez de louvoyer et que vous vous êtes dit, avec la clause du grand-père, on va limiter la mobilisation pour la réforme des retraites. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, c'est que la solidarité dans notre pays, elle fonctionne, elle est encore à l'œuvre, puisque la mobilisation contre la réforme des retraites, elle était bien là encore aujourd'hui dans la rue. J'ai aussi l'impression que vous oubliez de prendre en compte les métiers où nous avons des difficultés de recrutement. Je pense par exemple au transport. Moi, je pense à mon territoire, à Lyon, on a des difficultés pour recruter nos chauffeurs de bus, alors qu'aujourd'hui, on a un gros enjeu pour développer les questions de mobilité à l'heure de l'urgence climatique. Et puisqu'on parle de régimes spéciaux, quid d'un régime spécial pour les métiers du soin, par exemple. Ce sont des professions qui sont à 80% féminisées, où on a des difficultés de recrutement et où on pourrait s'engager pour mieux les protéger et pour mieux recruter. Et s'il doit y avoir un alignement des prestations, eh ben celui-ci il doit se faire par le haut et sous contrôle des salariés. Et c'est pour ça que nous proposons de supprimer cet article. Merci. Alors, chers collègues, on a augmenté un peu le son des micros, mais vous avez augmenté un peu le son aussi de vos conversations. Donc, on va essayer de retrouver un peu de silence. Sinon, les uns et les autres, on baissera le son des micros, ce qui devrait évidemment, dans le même sens, faire baisser le son de vos conversations. Et on va écouter le 1118, qui est présenté par Madame Rousseau.
Merci, Monsieur le Président. On n'est pas bien, là, dans l'idéologie pure, absolue, totale, détendue du service public, tranquille. Allez, on supprime les régimes spéciaux uniquement pour ceux qui arrivent. Aucun effet sur la retraite. En plus, les gens qui bénéficient des régimes spéciaux surcotisent. Donc, aucun effet sur les financements de la retraite. Mais de l'idéologie pure, absolue. La RATP manque de chauffeurs. On n'arrive pas à prendre les métros. Elle est au bord de la rupture. Allez hop, on y va, on casse des droits sociaux. S'il vous plaît, chers collègues, on va laisser Madame Rousseau terminer son propos et défendre son amendement. Il n'y a que Madame Rousseau qui a la parole. En fait, chers collègues, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Rousseau. En fait, les services publics ont été créés pour une chose, c'est que c'était une priorité de partage du progrès pour tous, partout sur le territoire. Et qu'ils avaient une mission particulière. C'était d'être disponibles, quoi qu'il se passe, partout sur le territoire. Aujourd'hui, nous en avons besoin, plus encore qu'hier. Et c'est aujourd'hui que vous cassez les droits sociaux pour empêcher l'attractivité de ces métiers. Honte sur vous, encore une fois. Merci, Madame la députée. Le 13-002, qui le défend ? C'est vous, Madame Étienne. Oui. Alors, depuis quelques semaines, on entend partout la minorité présidentielle qui nous parle d'une réforme qui serait plus juste, plus équitable, qui prendrait en compte des situations particulières et qui s'attacherait à défendre les travailleurs. C'est faux. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour le voir. Avec ce premier article, vous voulez commencer les débats en proposant la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite. Ces mêmes régimes spéciaux qui sont le fruit de longues années de négociations collectives de la part des travailleurs, qui sont aussi le reflet de la pénibilité et de la particularité de certains emplois. Vous voulez par là monter les travailleurs les uns contre les autres en les logeant tous à la même enseigne. Mais les Français ne sont pas dupes, parce qu'ils ont compris que c'était... Qu'était votre réelle intention ? Ils ont compris que si vous vouliez supprimer les régimes spéciaux, si vous les aviez tant en horreur et qu'ils vous font si peur, c'est parce que vous ne vous supportez pas les luttes collectives. Vous ne supportez pas le dialogue, les accords de branche et les débats. Vous ne supportez pas les services publics et votre plus grand souhait est de les ouvrir à la concurrence. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le gouvernement lui-même. Dans le rapport qui lui sert d'étude d'impact, il explique, je cite, que le financement de régimes spéciaux essentiellement publics implique un effort de solidarité nationale qui doit être interrogé dans un contexte de rationalisation de la dépense publique et d'ouverture à la concurrence. Rationalisation de la dépense publique et ouverture à la concurrence, en fait, vous le dites vous-même ici, votre réforme ne sert pas à être plus juste ou à stabiliser un soi-disant déficit, elle sert à nourrir votre idéologie libérale et concurrentielle qui vient démanteler les services publics en les ouvrant à la concurrence et en faisant des économies sur le dos des plus précaires et sur ceux dont les emplois sont les plus pénibles. Vous êtes les dogmatiques, les idéologues, vous êtes de ceux qui cassaient les services publics et qui cassaient les travailleurs. C'est ça le sens de votre réforme. Merci, Madame la députée. Le 14-569, Monsieur Walter. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a bien entendu pour objet la suppression de l'article 1er. Pourquoi ? Parce que cet article 1er ne cherche qu'une chose, opposer les Français entre eux. Et cela vous a déjà été dit, ça ne fonctionne pas, puisque vous les avez vus aujourd'hui encore, tous unis dans la rue contre votre réforme des retraites. Alors comment vous y prenez-vous pour opposer les Français entre eux ? Eh bien, vous faites passer ces régimes spéciaux pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir pour des privilèges. Mais ce ne sont pas des privilèges, ce sont simplement le résultat de conventions collectives qui ont été négociées et bien souvent arrachées par les syndicats, par les travailleurs en lutte. Et alors, pourquoi et comment ont-ils été arrachés ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont la reconnaissance d'une pénibilité. Et vous avez inventé quelque chose de fabuleux dans cette réforme, c'est que pour prouver la pénibilité aujourd'hui, eh bien, il va falloir, avec votre réforme, être déjà cassé par le travail, c'est-à-dire prouver que, effectivement, c'était tellement pénible qu'on n'en peut plus et qu'on est invalide. Vous transformez, en fait, la retraite en une période d'invalidité. On a le droit d'y aller à partir du moment où on n'est plus capable de travailler.
Le dernier point quand même, cela vous a été dit déjà à plusieurs reprises, si vous voulez absolument supprimer un régime spécial, nous vous en avons proposé un. Il s'agit des retraites chapeaux qui persistent malgré la loi de 2019. Retraites chapeaux qui accessoirement ne cotisent pas, ne participent donc pas à la solidarité nationale et ne devraient donc pas avoir droit à cette solidarité et donc à la retraite. Je vous remercie. Bravo. Merci monsieur le député. Le 15-954, monsieur Dupont-Aignan. Oui, cet amendement vise à supprimer cet article 1 pour une raison très simple. Si vous voulez supprimer les régimes spéciaux, mais alors pourquoi vous ne supprimez pas tous les régimes spéciaux? Pourquoi? Pourquoi faire ce choix incohérent? Et puis si vous voulez supprimer les régimes spéciaux, pourquoi ne commencez-vous pas par vous-même? Je me réjouis que les députés aient aligné leur régime, mais le président de la République, le Sénat, les retraites chapeaux des grandes entreprises, pourquoi toujours ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette stratégie du bouc émissaire? Et si vous voulez vraiment supprimer les régimes spéciaux, alors mettez vraiment en place un système de pénibilité. Moi, j'ai entendu l'argument de M. Dussopt sur les chauffeurs de bus. Pourquoi les chauffeurs de bus de Paris auraient un privilège et pas ceux de Marseille? Mais plutôt que d'enlever les avantages des chauffeurs de bus de Paris au point qu'il n'y en ait plus, pourquoi on ne met pas un vrai système de pénibilité correct, organisé? En fait, c'est du nivellement par le bas, c'est de la stratégie du bouc émissaire, c'est la défense de vos privilèges. Et je remarque pour conclure que M. le ministre ne m'a toujours pas répondu sur le fait de savoir pourquoi monsieur le maire emprunte à taux variable à 9%, ça nous coûte 15 milliards d'euros en 2022, 15 milliards en 2023. Ça, c'est un sacré régime spécial pour les banquiers et les marchés financiers. Ça, c'est injustifiable. Vous pourriez emprunter à taux fixe. Ça économiserait 15 milliards d'euros, une paille. C'est ce que vous allez économiser sur les pauvres retraités qui souffrent, qui ont des difficultés. Alors, arrêtez cette stratégie du bouc émissaire sur les plus pauvres. Vous ne voulez pas traiter les problèmes du pays. Économisez d'abord les milliards gaspillés et revenez nous voir après. Merci, monsieur le député. Le 18-48, madame Faucillon. Merci, monsieur le président. Puisqu'il faut parler de régimes spéciaux, eh bien parlons de retraites très très spéciales, ou plutôt de retraités très très spéciaux qui décident de leur propre régime à quelques-uns et à leur seul profit dans une folle captation des richesses. Je veux donc parler de celui qui vient de quitter la présidence du conseil d'administration de Dassault Systèmes et qui a ainsi pu toucher 1 million d'euros par an. Ou encore de celui directeur général de Publicis qui a un régime de retraite supplémentaire exclusivement conçu pour lui, qui lui permet aujourd'hui et jusqu'à sa retraite, de cumuler 75 000 euros de rente supplémentaire, et ce, chaque année. Alors, qui sont les profiteurs? Qui sont les privilégiés? Qui organise le déficit dans le pays? Ce sont eux, pas les agents de la RATP, en horaires décalés, en horaires mixtes, qui chaque jour transportent des centaines de milliers de travailleurs et à qui Valérie Pécresse a promis l'ouverture à la concurrence, aggravant le recrutement de conducteurs et mettant en danger la réponse aux défis climatiques. Ce ne sont pas non plus les électriciens gaziers qui, quand il y a des tempêtes dans le pays, sont dans les astreintes et viennent partout rétablir l'électricité à nos concitoyens, ni ceux parmi eux qui sont chez les Robin des Bois et qui viennent remettre le courant à ceux à qui on l'a coupé, parce qu'il y a des familles qui dorment, avec des enfants qui dorment en doudoune chez eux parce qu'on leur a coupé le courant à cause d'impayés, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Nous serons toujours à leur côté, car nous sommes épris d'égalité. Ce n'est pas votre cas, comme nous sommes épris de liberté, et pas seulement pour ceux qui sont bien nés. Merci, madame la députée. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par monsieur Quatennens. Merci, monsieur le président. Chers collègues, chers
Cher collègue, j'ai un rappel au règlement. Cher collègue, j'ai un rappel au règlement que je vais prendre, qui est celui de M. Cazeneuve. Puis je donnerai la parole à l'orateur. Merci, monsieur. Sur la base de quel article, monsieur le député ? Sur la base, sur le fondement de l'article 70, alinéa 1. Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu, pendant deux jours, des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Merci, monsieur le député. Alors, j'ai un deuxième rappel au règlement. Chers collègues, je vous le donnerai, madame Amiot, également. Chers collègues, monsieur Delogu, vous vous asseyez. Chers collègues, monsieur Delogu. Alors, on va se calmer immédiatement. Deux rappels au règlement, monsieur Maillard, puis madame Amiot. Nous allons chacun les entendre. S'il vous plaît, sur la base... Sur la base... 100, on y va. Je demande une suspension de séance. Deux secondes. J'entends. C'est pas la peine d'hurler, j'entends. J'ai entendu. Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Chers collègues, nous allons faire les choses dans l'ordre. Alors, j'attends que vous vous taisiez. J'arrive. Oui, elle est de droit. Vous avez raison, monsieur le président. Monsieur le président Marcangeli, je suspends pour 2 minutes.
On y va. Chers collègues, la séance est reprise. Je vais vous demander de regagner vos pupitres dans le calme. C'est quel article? Chers collègues, si vous êtes tous assis, nous allons reprendre nos débats. Avant cela, j'ai donc, et avant que je regarde s'il y a des rappels au règlement après mon propos, on verra, j'ai donc noté qu'il y avait eu des propos d'un de nos collègues qui avait permis, on va dire, une scène, une sorte de tumulte, allons dire, une scène tumultueuse. Je vais donc indiquer à notre collègue Delogu, au titre de l'article 71.2, un rappel à l'ordre, sans inscription au procès-verbal, de façon à pouvoir revenir dans le calme et pouvoir reconnaître que ce propos a été tenu et qu'il est inscrit au compte-rendu. Je pense que ceci clôt la série de rappels au règlement, je l'espère, et qu'on peut reprendre. Non, il y a quand même deux rappels au règlement, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, qui le fait au groupe Lyot? C'est M. Saint-Huile. Je vous écoute, sur la base de quel article? Sur la base de l'article 70-1, comme M. Cazeneuve, je veux dire ici, avec une certaine gravité, mes chers collègues, que si jamais aucune explication ne pourra justifier des violences faites aux femmes, que si jamais nous ne pouvons accepter cela, que mon propos n'est en rien en solidarité avec les actes qui ont été commis. Il n'y a pas ici, dans cet hémicycle, un député ou une députée légitime à considérer qu'il peut ici entraver la démocratie. Vous avez applaudi votre première ministre cet après-midi qui vous a dit que c'était ni un tribunal, ni des procureurs. Respectez la règle. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous considérez que c'est inacceptable parce que dans vos valeurs et vos fondements... Voilà, on s'éloigne un peu du rappel au règlement. Je vous remercie. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Monsieur le député, vous n'avez plus la parole. On s'éloigne du rappel au règlement. Et dans un souci de calme, je vais prendre le second rappel au règlement de madame Ménard. Et puis, nous reprendrons nos débats. Enfin, nous essaierons. Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 70, alinéa 1 également. Nul dans cette Assemblée ne pourra me suspecter de sympathie particulière à l'égard de Monsieur Quatennens. Néanmoins, il me semble important de rappeler qu'on ne peut pas, à longueur de journée, se gargariser et donner des leçons de démocratie, de séparation des pouvoirs, de respect des règles de la justice et de la liberté d'expression, qui sont des règles importantes dans notre hémicycle et que nous devons tous respecter. On ne peut pas faire ça et ne pas respecter les principes de base de notre justice. Monsieur Quatennens a été condamné, je ne reviendrai pas sur Ménard, sa condamnation. Madame Ménard, on s'éloigne. Simplement, on va pas parler de la vie de Monsieur Quatennens. Je finis en deux secondes. Alors que c'est un rappel au règlement. Aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée à l'égard de Monsieur Quatennens. Voilà. C'est une décision de justice qui s'applique. Et maintenant, merci, je pense qu'il faut que nous la respections tous ici. Merci. Je vous remercie. Alors, voilà un bel hémicycle bien calme. Et la parole est à l'orateur pour l'amendement 1908, Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Qui a dit « Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ?» Je ne le crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage de masse dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans.
C'est ça, la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, maintenant, il faut aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça, la réalité. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron en 2019. Il a changé d'avis depuis, mais c'est toujours l'avis de 93% des actifs de ce pays. Et déjà en 2019, les régimes spéciaux étaient érigés en bouc émissaire. Alors bien sûr, M. Macron n'aime pas le terme de pénibilité. Il a d'ailleurs retiré 4 de ses critères en 2017. Or, précisément, les régimes spéciaux répondent aux enjeux de pénibilité dans les métiers concernés. La philosophie de la sécurité sociale, c'était même d'étendre les dispositifs dont bénéficient les personnes sous régime spécial à tous les travailleurs. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et de justice n'est qu'une diversion pour faire oublier l'essentiel, qui est que cette réforme des retraites va faire 100% de perdants. Merci. Nous avons terminé l'examen des amendements identiques et je vais demander sur cette série d'amendements à Madame la rapporteure de nous donner son avis. Merci. Dans le calme. Merci, Monsieur le Président. Ces 42 amendements de suppression de l'article 1er, sur ces 42 amendements de suppression, vous dites pour certains que c'est injuste. Mais c'est pourtant bien une question de justice et d'équité. Sinon, dites-moi pourquoi deux métiers identiques n'auraient pas le même régime. Alors, on parle du chauffeur de bus régulièrement comme exemple. Moi, je voudrais prendre le chauffeur de tramway d'Orléans qui n'a pas le même régime que le chauffeur de tramway de Paris. Vous dites que nous voulons diviser les Français. Mais c'est ici, au contraire, un moyen de les rassembler dans le cadre du régime général. Car beaucoup de nos concitoyens sont polypensionnés. Et oui, 58% actuellement des gens au régime spéciaux sont polypensionnés. Et donc, c'est un moyen de simplifier leur retraite, de fermer ces régimes spéciaux. Vous considérez, en fermant ces régimes spéciaux pour les nouveaux entrants, que nous ne prenons pas en compte la pénibilité. Mais c'est faux, et d'ailleurs j'espère qu'on pourra aller jusqu'à l'article 9, où nous pourrons débattre sur ce que nous permettons d'améliorer pour prendre en compte cette pénibilité, que ce soit l'assouplissement, le renforcement du compte professionnel de prévention. Le véritable choc de prévention que nous faisons dans cet article, avec le fonds d'investissement, les congés de reconversion, les consultations médicales de suivi, qui permettront à beaucoup de nos concitoyens qui ont, par exemple, le dos brisé, de pouvoir partir avant l'âge légal de départ. Donc la fin de ces régimes spéciaux, c'est donc bien une mesure de justice, d'équité et de simplicité. Donc c'est un avis défavorable, Monsieur le Président, vous l'aurez compris. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'avis du gouvernement est le même que l'avis de Madame la rapporteure, c'est un avis défavorable à ces amendements de suppression. Peut-être simplement quelques mots d'abord pour dire qu'à écouter les différents intervenants et les différents défenseurs des amendements, on a beaucoup entendu de déclarations générales sur le projet de loi à propos du passage de 62 à 64 ans, alors que là nous parlons de régimes spéciaux pour lesquels l'âge de départ légal est toujours inférieur à cette borne d'âge. On a aussi beaucoup entendu de déclarations sur la pénibilité ou encore sur la manière dont sont appréhendées les catégories actives dans la fonction publique, sujet qui là aussi est éloigné des régimes spéciaux et éloigné de cet article. Ce que nous voulons faire, et je l'ai dit tout à l'heure, est simple. Nous voulons, à partir du 1er septembre 2023, faire en sorte que tous les nouveaux employés, tous les nouveaux embauchés soient affiliés au régime général de l'assurance vieillesse, que les entreprises puissent, dans cet intervalle, négocier à la fois des grilles de rémunération, des conditions de protection sociale qui permettent à chacun et à chacune d'être protégé, de rejoindre le régime d'assurance vieillesse au régime général dans les meilleures conditions. Nous voulons aussi que des périodes de convergence soient mises en place pour que les titulaires des régimes spéciaux puissent voir leur âge de départ augmenter de 2 ans progressivement à l'issue de ces périodes de convergence et nous faisons confiance au dialogue social pour cela. Nous ne le faisons pas sur tous les régimes. Il y a un régime que nous ne voulons pas toucher, celui des marins.
lorsque un métier se caractérise par un taux d'accident du travail de 60 pour 1000, cela démontre par ce seul chiffre assez dramatique la difficulté d'une telle profession et ça mérite une protection particulière dans le cadre de l'ENIM. J'ai aussi entendu des comparaisons entre l'Opéra de Paris, la Comédie Française et les régimes des IEG, de la RATP ou des clercs de notaire. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Avec l'Opéra de Paris, ce sont 1800 salariés, 340 à la Comédie Française, alors qu'on parle de 43 000 personnes à la RATP. J'ai entendu parler d'équilibre financier. Le compte n'y est pas. Un régime comme celui de la RATP nécessite 700 millions de subventions. Celui des IEG nécessite une taxe affectée à hauteur d'1,7 milliard d'euros par an, payés par les consommateurs, et cela nécessite ce retour à l'équité et cette mise à égalité. Nous le faisons en respectant le contrat social, en veillant à ce que tous ceux qui ont été recrutés dans le cadre d'un régime spécial puissent continuer à en bénéficier, comme nous l'avons fait avec la SNCF, et c'est ainsi que nous proposons d'aller vers de l'équité et vers la fin de différences qui sonnent aujourd'hui comme des injustices. Et donc le gouvernement est évidemment défavorable à ces amendements. Merci, monsieur le ministre. Alors, je vais prendre en fait un orateur par groupe politique sur ce beau débat, ce sera plus simple. En tous les cas, on va commencer comme ça. J'avais une première inscription. Alors, je ne sais pas si madame Berreté souhaitait s'exprimer ou si c'est monsieur Martin au groupe Renaissance. C'est monsieur Martin. Merci, merci, monsieur le président. De quoi parlons-nous ce soir ? Des régimes spéciaux. On pourrait dire que la totalité de l'enveloppe des subventions de l'État s'élève à 8,5 milliards environ. Mais moi, je voudrais parler des régimes spéciaux en pensant aux femmes et aux hommes qui ont travaillé, qui travaillent encore et qui travailleront demain au service de l'intérêt général à travers des entreprises particulières. Néanmoins, régime spécial, ça veut dire partir plus tôt. Et là encore, ça a été dit, il y aura des négociations de convergence pour progressivement décaler l'âge de départ et ne pas aligner tout le monde à 64 ans. Il faut que les Français qui nous écoutent le sachent. Régime spécial, ça veut dire des pensions plus élevées. En moyenne, là encore, et pardon si le chiffre de la moyenne écrase un peu tout, c'est 2 500 € bruts par mois pour une moyenne des salariés qui prennent leur retraite, 2 510 € par mois. Et puis, il y a la question de la pénibilité sur laquelle nous travaillons, que nous devons reconnaître. Et là encore, il faut rappeler qu'il n'y a pas de surmortalité chez les retraités qui partent avec un régime spécial. Quant à la durée de versement des pensions, il convient aussi de rappeler que pour les hommes, à la RATP comme à la SNCF, c'est environ 27 années de versement, tandis que pour les femmes, c'est près de 32 années de versement pour ces deux catégories, la RATP et la SNCF. Donc, mettre fin aux régimes spéciaux, ce n'est pas, comme on l'a entendu, abroger des privilèges, ce n'est pas mettre fin à une anomalie. Mettre fin aux régimes spéciaux, c'est simplement rétablir l'égalité des Français au moment de la retraite. Et d'ailleurs, la majorité des Français est favorable à la suppression des régimes spéciaux. Merci, monsieur le député. Pour le groupe GDR, monsieur Pierre Dharréville. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais commencer par rappeler que nous continuons de demander le retrait de ce projet. Donc évidemment, nous nous opposons à cet article, mais ça s'inscrit dans cette logique qui est la nôtre. Et je crois que vous devriez entendre raison parce que c'est la seule issue raisonnable. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont développés, et beaucoup de démagogie autour de ces régimes dits spéciaux, et ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps que c'est le cas. Je voudrais simplement rappeler quelques faits. 1,4% de la population active, 4% des retraités, des surcotisations, parce qu'évidemment, ces régimes sont aussi financés par des surcotisations de celles et ceux qui en sont les assurés. Et puis,
des régimes qui ne sont absolument pas responsables des difficultés du régime général. En l'occurrence, parmi ceux que vous supprimez, il y en a deux qui contribuent au régime général, à la solidarité. Tout ça mérite d'être rappelé, posé sur la table pour essayer d'objectiver un certain nombre de choses. Nous considérons que ce sont des régimes pionniers et qui, effectivement, ont permis et permettent la prise en compte ajustée des métiers, de leur pénibilité, dans leur diversité dans chacun des régimes concernés, puisque, évidemment, on tient compte des différents métiers qui existent à l'intérieur de ces différents régimes. Ce que vous proposez, c'est tout simplement une dégradation brutale des droits des nouveaux entrants. Et donc, nous nous opposons évidemment à cette disposition. Au passage, vous vous asseyez sur les propos que vous avez pu tenir sur le caractère fondamental des négociations de branche et du dialogue social, puisque ces régimes sont le résultat de ce type de démarche. Et vous voulez nous installer dans une spirale de régression sociale, puisqu'on tire toujours les droits vers le bas, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il faut aller toujours plus bas, et les régimes spéciaux, c'est pour ça qu'ils vous posent un problème, parce qu'ils maintiennent la perspective d'un haut niveau de droit. C'est pour ça que nous les appelons, nous, des régimes pionniers, et vous devriez vous en inspirer pour tirer, au contraire, les droits vers le haut. Vous nous avez parlé du chauffeur de bus d'Orléans, j'en termine, Monsieur le Président, le chauffeur de bus d'Orléans, vous n'allez rien faire pour arranger sa situation. Merci, Monsieur le député. Pour les Républicains, Monsieur Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues de gauche, moi, je vous ai écouté avec la plus grande attention pendant une heure et demie, défendre, et je respecte. Je respecte, mais malgré tout, il y a un certain nombre de choses qui me choquent. Il se trouve que je représente dans cet hémicycle une circonscription, la circonscription de Loudéac-Lamballe, qui, entre autres, compte deux abattoirs de 3000 salariés chacun. Deux abattoirs de 3000 salariés chacun. Ces gens-là travaillent dans le froid. C'est obligatoire du fait des exigences liées à la question sanitaire. Ces gens-là sont atteints en particulier de troubles du muscle et du squelette, 4 fois plus que la moyenne nationale. Pas un mot durant l'heure et demie où nous vous avons écouté sur ce public. Vous n'avez pas eu un mot, pas une attention à l'égard de ce public. Il se trouve que ce public, il existe. Le temps n'est Chers plus collègues. Aux régimes spéciaux. Le temps est à l'examen de la pénibilité au cas par cas, par individu, en fonction des postes occupés. C'est pour cela qu'il faut que ce texte soit beaucoup plus ambitieux sur les questions de pénibilité. L'alternative, elle est là. Ces régimes spéciaux se justifiaient parfaitement quand ils ont été conçus. Aujourd'hui, le vrai progrès, ce serait de prendre en compte la véritable pénibilité en fonction du poids, des charges, en fonction du froid, en fonction des intempéries, parce qu'un certain nombre de travailleurs dans ce pays travaillent dans les intempéries. Eh bien, ces salariés de l'agroalimentaire, à l'égard desquels vous n'avez pas eu un mot, ces salariés-là, ils vous nourrissent. Merci, monsieur le député. Je continue le tour des groupes politiques. Pour le groupe Rassemblement national, c'est monsieur Ménager. Merci, monsieur le président. Alors, après plus d'une heure de présentation de ces amendements de suppression, au Rassemblement national, nous ne voterons pas ces amendements de suppression. Non pas parce que nous sommes favorables à l'ensemble des régimes spéciaux, non pas parce que nous souhaitons maintenir ces régimes spéciaux, nous souhaitons supprimer les régimes spéciaux qui sont aujourd'hui injustes, injustifiés. Aucune raison ne justifie qu'aujourd'hui, les membres du Conseil économique, social et environnemental aient un régime spécial. Aucune raison aujourd'hui ne justifie que les membres de la Banque de France aient un régime spécial. Mais aujourd'hui, au Rassemblement national avec Marine Le Pen, nous avons une vision pragmatique, une vision très claire. Nous souhaitons que quand il y a des objectifs d'attractivité, de fidélisation, quand il y a des problèmes de recrutement dans un certain nombre de métiers, je pense notamment aux industries électriques et gazières. Nous sommes une majorité, si on exclut une partie de la NUPES, à être favorable à la relance du nucléaire dans notre pays. Nous souhaitons aujourd'hui relancer le nucléaire et c'est une bonne chose. Comment pourrions-nous relancer le nucléaire
100 soudeurs. Aujourd'hui, dans nos centrales nucléaires, ce sont des soudeurs nord-américains. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous contenter d'avoir dans notre pays, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, des soudeurs qui viennent de l'étranger. Il faut, et aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que, dans ces métiers en tension, il s'agisse de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Il faut aider l'ensemble de ces filières, participer à attirer un certain nombre de jeunes et de personnes sur ces filières. C'est la raison pour laquelle, quand bien même nous sommes contre un certain nombre de régimes spéciaux, nous attendons les débats pour nous positionner sur cet article. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe LFI, c'est Monsieur Coquerel. Pardon, Président Coquerel. Bien, nous aurons donc compris que nous n'avons pas vraiment la même notion des privilèges que les groupes de la majorité et maintenant que le Rassemblement national. Vous expliquez qu'il faudrait remettre en question des régimes pionniers, notamment parce qu'ils seraient déficitaires par rapport aux caisses de retraite. C'est quand même très étonnant, comme par contre le fait d'exonérer des entreprises à hauteur de 90 milliards payés par l'intérêt public ne vous pose pas de problème, surtout quand une partie de ces exonérations sert directement des dividendes qui sont du coup des intérêts particuliers payés par l'argent public et qui enrichit des gens qui parfois ont des salaires ou des indemnités qui équivaut à une vie, une année ou une vie entière des salariés que vous traitez de privilégiés. La deuxième chose, c'est que je suis quand même aussi très étonné, je dois le dire, que des personnes qui, comme nous, avons des existences sociales souvent fort éloignées de ceux dont vous allez remettre aujourd'hui en question les conquêtes sociales acquises en contrepartie de la pénibilité, peuvent ainsi prendre des décisions. Collègues, je vous demande, dans quel état seriez-vous au bout d'une journée de conduite d'un bus double de la RATP, au bout d'une année de salaire, au bout d'une carrière entière, avec des salaires souvent moitié inférieurs à nos indemnités? Et puis, troisième chose, vous nous parlez d'égalité par rapport à tous les salariés. Mais c'est quand même très étonnant, comme le fait qu'à chaque fois qu'on s'en prend à des régimes pionniers, c'est pour reculer l'âge de la retraite de tous les salariés. C'est un camouflage d'injustice généralisée. Et si vous voulez vraiment faire en sorte que tous les salariés y gagnent, eh bien rapprochez-les de ces régimes pionniers au lieu d'aggraver la condition de tout le monde. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe démocrate, Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président, et messieurs les ministres. Vous savez, mes chers collègues, ce soir, on est en train d'essayer, me semble-t-il, de sauver ce système de retraite par répartition. Ce système de retraite par répartition, nous sommes tous attachés ici. Mais vous constatez avec moi que les déficits financiers sont là. La démographie, vous la connaissez comme moi. Et oui, Monsieur Roussel, les retraites qui sont des petites retraites, j'aimerais, et pas une fois sur les 35 orateurs, quelqu'un n'a dit mot des petites retraites ou des carrières hachées. Ça, pas un mot. Alors, sur les régimes spéciaux, je vais vous dire les choses très simplement. C'est Philippe Vigier qui s'exprime. Quand vous nous dites... Chers collègues, c'est Philippe Vigier qui s'exprime. Quand vous nous dites brutalité, pardonnez-moi, mais de mettre la clause du grand-père, ça n'est pas faire preuve de brutalité. Quand vous nous dites RATP, le conducteur chez moi à Chartres, il gagne combien et il part à quel âge à la retraite par rapport au vôtre? Et celui-là, vous ne voulez pas entendre parler. Quand vous me dites pouvoir d'achat, quand vous me dites chers pouvoir collègues. D'achat et équité, pourquoi, mes chers collègues, pas un seul ne l'a dit, que chacun participe à l'équilibre du système de retraite des entreprises gazières et énergétiques avec une contribution sur chacune des factures d'1,7 milliard d'euros qu'on va chercher dans la poche de tous les contribuables. Mais là, vous ne dites pas un mot. Et je vous dis simplement pour terminer, pourquoi
Puisque vous parlez de pénibilité, lorsque vous étiez aux responsabilités, tout le monde n'a pas bénéficié d'un régime spécial. Je pense aux mécaniciens, aux boulangers, aux charcutiers. À quel âge lui partira? Eh bien, vous protégez quelques-uns. On voit bien que vous êtes injuste. C'est injuste. Et vous aviez une repenteur parce que vous êtes dans l'injustice. Et la brutalité, merci, c'est vous. Monsieur le député. Alors, chers collègues, je crois que chacun apprécie de pouvoir s'exprimer dans le silence en étant écouté par ses collègues. Faisons cet effort collectif et on va donner l'exemple en écoutant la présidente Châtelain. Merci, monsieur le président. Eh bien, je voudrais vous répondre, avec cette réforme, vous ne protégez personne. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi d'en faire l'article d'ouverture de cette réforme. Avec cet article, vous pensez nous donner une leçon d'équité. L'équité, c'est donner à ceux dont ils ont besoin ce dont ils ont besoin. Et donc, pour vous, l'équité reviendrait... Non, mais ça paraît simple, mais si. Pour vous, l'équité reviendrait à aller détruire ce qui protège plutôt que de l'étendre à tous ceux qui auraient besoin d'être protégés. Je vous redis, c'est 100 000 ouvriers et employés qui aujourd'hui, chaque année, partent à la retraite à 62 ans, alors que leur espérance de vie est moins forte que sans doute celle de tous entre nous ici ou celle des cadres. C'est effectivement 100 000 ouvriers et employés à qui, demain, vous allez demander de partir à la retraite à 64 ans. C'est ça la réalité de votre réforme. Et donc plutôt que d'étendre ce qui protège, vous continuez à casser, toujours à casser, parce que vous ne cherchez pas à protéger. Vous ne cherchez ni l'équité, ni l'égalité, ni le progrès, ni la solidarité. La seule chose qui vous intéresse, la seule raison pour laquelle vous faites cette réforme, ce n'est pas pour augmenter les pensions, elles augmenteront bien peu. Ce n'est pas pour protéger nos avenirs ou notre enfant. Sinon, dans ces cas-là, vous ferez de l'écologie. En fait, la seule chose qui vous intéresse, c'est de pouvoir équilibrer vos comptes. Non mais riez peut-être, mais aujourd'hui, le message que vous envoyez à tous ceux qui travaillent dur, c'est quelle que soit la difficulté de votre travail, jamais vous n'aurez le droit d'être davantage protégé que si que ceux qui ont plus de 6 ou 7 ans d'espérance de vie de plus que vous. Vous leur dites les deux meilleures années de vos retraites, on vous les prend. Et pourquoi on vous les prend? Pour faire des économies. Merci Madame la Présidente. Au groupe socialiste, Monsieur Gedge. Oui, Monsieur le Président. C'est par constance et cohérence que nous nous opposons à la suppression de ces régimes spéciaux. Pourquoi ? Parce que nous sommes opposés à l'allongement de 62 à 64 ans que vous proposez à l'ensemble des Français. Or, en supprimant ces régimes spéciaux, vous allez verser les travailleurs aujourd'hui concernés à cette mesure de 64 ans. Donc, opposition à 64 ans égale opposition à la fermeture des régimes spéciaux. Mais il faut aussi tenir compte des raisons pour lesquelles vous vous acharnez à vouloir les supprimer. Et donc, moi, j'ai cherché bien attentivement parmi les nombreuses raisons que vous pouviez mettre en avant. Et donc, j'ai lu votre étude d'impact, ou ce qui s'appelle étude d'impact. Et c'est page 48 que j'ai trouvé la réponse à ma question. Je vous cite... Le financement des régimes spéciaux de retraite implique par ailleurs un effort de la solidarité nationale au bénéfice de certains secteurs ou de certaines entreprises, effort qui doit être interrogé dans le contexte de la rationalisation de la dépense publique et d'ouverture à la concurrence. Vous faites donc cette réforme notamment pour faciliter l'ouverture à la concurrence dont nous sommes tous désormais convaincus ici que s'agissant du marché de l'électricité, ça ne marche pas. Que s'agissant de l'ouverture à la concurrence pour les transports en Île-de-France, et c'est un député francilien qui vous parle, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Nous sommes aujourd'hui en Île-de-France avec le fiasco de la révolution des transports
voulue par Valérie Pécresse dans un problème de recrutement et d'attractivité. Il manque 700 chauffeurs de bus. Les conditions de transport sont dramatiquement dégradées. C'est la cohue. Nous n'arrivons pas à recruter. Merci, et au lieu de sanctuariser député. Ces métiers, vous les fragilisez. Une raison de plus Merci. Pour rejeter votre proposition. Pour le groupe Liot, c'est Monsieur Molac. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à préciser que nous n'avons pas de position tranchée sur ces amendements, mais un certain nombre d'interrogations. D'abord, quand on a un régime spécial qui est financé par les salariés et par les patrons, sans demander à la solidarité nationale de payer quoi que ce soit, on ne comprend pas pourquoi vous voulez le supprimer. Parce qu'évidemment, sinon, vous mettez tout le monde au niveau minimum qui est le droit du travail, et ça veut dire que les conventions collectives qui peuvent améliorer l'ordinaire, eh bien celles-là, vous estimez que ce n'est plus possible. Et ça me semble dangereux, évidemment, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune avancée sociale, au moins dans un certain nombre de branches qui, après, peuvent être plus générales. C'est la première chose. Quand ces régimes spéciaux font appel à la solidarité nationale, je comprends qu'on puisse se poser la question. Mais dans ces cas-là, le problème, c'est que, monsieur le ministre, vous nous dites tout à l'heure, pour la RATP, c'est tant de personnes, donc il faut le supprimer. Mais par contre, la Comédie française, c'est que 1000 personnes, donc là, ce n'est pas la peine. Bah, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne, il faudrait savoir. Parce qu'on ne va pas avoir une équité qui va être à géométrie variable. Ce n'est pas possible, ça. Donc, en ce qui me concerne, je voterai pour ces suppressions. Merci. Le dernier orateur pour le groupe Horizon, monsieur Thiebaud. Merci, monsieur le président. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur les régimes spéciaux, les arguments ont été donnés. Mais moi, je parlerai bien à un moment donné qu'on parle des injustices actuelles. Et je trouve que vous avez un peu l'injustice à la géométrie variable. Et je m'explique. Cela a été dit, une partie des régimes spéciaux sont financés par l'ensemble des travailleurs et travailleuses français. Si, ils le sont pour ceux qui sont en déficit. Ces mêmes travailleurs et français qui cotisent, à 70% d'entre eux cotisent au régime général et sont soumis aussi à la complémentaire Argi-Carco. Je vous rappelle que ces gens-là, alors que quand ils ont les annuités complètes, qu'ils arrivent à 62 ans, s'ils partent à la retraite avant 64 ans, l'Argi-Carco, qui est géré par les syndicats, leur impose une décote de 10%. De 10%. La justice, elle est bien invariable. Et ça concerne 70% des Français et des Françaises. Et on ne vous entend pas là-dessus. Ce que vous faites, c'est juste prospérer, justement, la facturation de la société. Ce que vous faites, c'est favoriser des positions individuelles. Et non l'union et la collectivité que nous devons tous savoir. C'est ça que vous faites. Vous jouez là-dessus, sur les individualités. Vous qui vous dites collectiviste, vous qui vous dites pour l'union, ben je suis bien déçu. Vous devrez être ravis qu'effectivement on joue tous collectif et qu'effectivement ces régimes qui ne sont pas des régimes pionniers, qui étaient des régimes de réponse à des situations particulières environnement. Et on ne vous entend pas sur ce sujet de la décote qu'ont imposé les syndicats à 70% des Français. Vous êtes où? On ne vous entend pas. Nous voterons contre ces amendements. Merci. Chers collègues, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements 540 et identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places, je suis persuadé que c'est fait. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 450, exprimés 380, majorité 191, pour 127, contre 253. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et nous avançons avec l'article 1er, une série d'amendements identiques. Et je vais appeler pour le groupe socialiste, c'est M. David qui présente le 684. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous refusons de voir fermer le régime spécial de retraite de la RATP. D'une part, parce que nous trouvons que cette mesure est injuste, elle est inutile,
et que nous trouvons simplement beaucoup de problèmes aujourd'hui pour faire fonctionner cet outil performant. Nous trouvons aujourd'hui d'énormes difficultés compte tenu du manque d'attractivité de ce métier. Nous trouvons des difficultés très importantes également compte tenu de la pénibilité et de la spécificité de ces métiers. Vous allez déclencher inutilement la colère, la réprobation de l'ensemble des personnels de la RATP en supprimant un régime spécial de retraite qui n'amènera à rien, car les premiers effets ne seront pas effectifs et l'économie ne sera pas évidente avant une quarantaine d'années. Merci, merci, monsieur le député. Le 1038, qui le défend ? C'est monsieur Alexandre. Je veux m'adresser à vous, député macroniste, pour vous expliquer la vraie vie. Jusqu'à quel point devrons-nous supporter votre cynisme et votre dogmatisme ? Les Français, eux, ne le supportent plus. Ils expriment, comme aujourd'hui et samedi dans la rue, ils sont 80% à rejeter votre réforme. Nous sommes leurs députés et nous devons donc les représenter et non les mépriser comme vous le faites. Vous voulez les priver de 2 ans de vie à la retraite, mais en plus, vous supprimez la prise en compte de la pénibilité. Vous avez déjà supprimé les critères qui concernaient des salariés aux conditions de travail les plus dures. Vous avez supprimé la prise en compte des postures pénibles, des vibrations mécaniques, du port de charge et d'exposition à des agents chimiques dangereux. Vous leur demandez de travailler 2 ans de plus ? Mais dans quel monde vivez-vous ? Vous voulez les envoyer directement du travail au cimetière ? Voyez-vous, le corps s'use au travail. Je suis ouvrier et j'ai travaillé 29 ans en usine. J'ai vu mes collègues usés, souffrir de métiers pénibles, avec des troubles musculo-squelettiques. Je ne vais pas tout énumérer, mais je pense aux salariés en 3-8, 5-8, aux ouvriers, aux salariés de la RATP donc. Bref, à tous ces gens qui bien souvent gagnent peu et qui arrivent cassés à la retraite. Ils font tenir notre pays debout, ils sont indispensables alors que vous, vous ne l'êtes pas. Plutôt que de supprimer leurs droits à la retraite, respectez-les. La guerre est aux portes de l'Europe. Le pays est usé par la crise sanitaire. L'inflation inquiète les familles. Il y a d'autres priorités à traiter pour le Parlement. Le pays a besoin d'apaisement. Arrêtez votre blocage. Retirez votre texte. Merci, monsieur le député. Le 1074, c'est madame Soudet. Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez, le gouvernement nous le rabâche sans cesse tel un disque rayé. Cette réforme est censée sauver notre système de retraite par répartition. Nous sommes sauvés. Sauf que cet argument fallacieux n'a qu'un seul but, pousser les travailleurs à miser sur la capitalisation pour apporter de l'argent au fonds de pension. Oui, cet argument ne vaut rien. Tous les économistes le disent, il s'agit ici d'un choix politique. Il n'y a aucun souci avec le financement de notre système de retraite. Le Conseil d'orientation des retraites, qui est loin d'être un rassemblement d'affreux gauchos, le dit lui-même, notre système de retraite se porte bien. Le gouvernement sort donc un deuxième argument massu, la fin des régimes spéciaux, divisés pour mieux régner. Plutôt que de tirer tout le monde vers le haut, on nivelle par le bas. On crée de la pauvreté et de la précarité, l'égalité dans la misère. Ce modèle de société est à vomir. Prenons l'exemple du régime de la RATP. Aujourd'hui, la RATP compte 52 000 pensionnés, soit 0,3% de l'ensemble des retraités. La nouvelle réforme du gouvernement concerne moins de 5% des futurs retraités RATP. Il est donc en train de tout chambouler pour 3 000 salariés. Quelle aberration ! Car oui, les régimes spéciaux ne concernent pas l'ensemble des salariés du secteur, mais uniquement ceux qui ont les conditions de travail les plus dures. Tous les salariés de la RATP nous le disent. Après 30 ans de carrière, les cheminots sont cassés. Pathologies, troubles musculo-squelettiques, un salarié sur 5 est inapte en fin de carrière. Nous demandons donc que soit préservé le régime spécial de la RATP, qui n'est pas un privilège, mais une compensation pour une pénibilité qu'on ne peut pas enlever. Des privilégiés, il y en a. Allez les chercher au bon endroit en rétablissant l'ISF et en taxant les super-profits. Merci, madame la députée. Le 1157, qui est défendu par qui au groupe LFI ? Madame Amrani. Oui, merci. Merci, monsieur le président.
Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et de justice sociale entre les futurs retraités est une diversion politique. Diviser pour mieux régner, voilà le slogan de la minorité présidentielle. Mais les faits sont têtus. Tous les Français vont pâtir du départ à la retraite à l'âge de 64 ans. Je tiens à défendre le régime de la RATP, qui est un régime juste, conforme aux principes de sécurité sociale. C'est une meilleure prise en compte de la pénibilité des travailleurs dont l'espérance de vie est la plus faible. Avec votre réforme, Michael, chauffeur de métro qui effectue des mouvements répétitifs à la même fréquence, des horaires décalés et sans jamais voir la lumière du jour, ne pourra pas partir plus tôt à cause de vous. Il devra, malgré ses troubles musculo-squelettiques et ses inaptitudes, continuer un métier dangereux. Je vous rappelle, en 2021, un chauffeur a fait une crise cardiaque à bord de son train, mettant la vie de dizaines de personnes en danger. Avec votre réforme, ces situations vont devenir monnaie courante. Nous ne l'acceptons pas et c'est pour ça que nous demandons par cet amendement le maintien du régime de la RATP qui correspond à la base de la justice sociale de notre pays. Merci Madame la députée. Je rappelle au règlement de Monsieur Tavel. Sur quel article, Monsieur le député ? Sur l'article 70.3. Lorsque notre camarade et collègue Laurent Alexandre s'est exprimé en disant qu'il avait travaillé à l'usine pendant des années, nous sommes nombreux à avoir entendu une voix qui venait plutôt du centre de cet hémicycle pour dire « retourne-y ». Eh bien, nous voulons dire ici notre refus absolu et notre dénonciation de ce mépris de classe que vous exprimez comme l'est toute votre réforme. Vous voulez faire croire, nous demandons des excuses. Nous demandons que cette phrase figure au procès-verbal et que des sanctions soient prises. Merci, votre réforme est une réforme de classe. Merci, monsieur et le député. Et c'est ça que vous ne supportez pas. Vous ne l'avez pas ? Vous ne l'avez pas ? Merci, monsieur le député. Le service du compte-rendu m'indique qu'il n'y a pas cette phrase en compte-rendu. Elle n'a pas été entendue. Nous passons donc à l'amendement 1541 qui est défendu par madame Abou-Mangoli. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, séquence tranche de vie. La scène se déroule sur le quai de la ligne 8 ou 2 ou 13 ou RERB ou RERA, c'est partout pareil tous les jours. Le quai est bondé, les rames aussi. Les agents sont à bout de souffle comme les usagers. On manque de machinistes, le métier n'est plus attractif. L'ouverture à la concurrence exigée par l'Union européenne est passée par là. Cette situation n'est pas nouvelle. Au contraire, elle empire depuis trop longtemps. Tous les matins, les Franciliens font l'expérience de votre destruction et de votre mépris vis-à-vis des transports publics. Aujourd'hui, vous voulez casser le régime des agents de la RATP. On ne s'arrête pas en si bon chemin quand il s'agit de déréguler contre les intérêts des peuples sous les ordres de Bruxelles. Casser ce régime alors que beaucoup des métiers de la RATP cochent toutes les cases de la pénibilité. Horaires décalés, vie privée familiale entachée, travail de nuit, tâches usantes et répétitives, exposition à la pollution. Ce régime a été conquis de haute lutte. C'est un régime négocié dans le cadre d'accords collectifs pour que soient prises en compte les spécificités des métiers. Monsieur le ministre, qui a cru bon opposer les chauffeurs de bus de Toulouse et de Paris, c'est bel et bien un nivellement par le haut dont nous avons besoin pour assurer à l'ensemble des agents des transports à travers la France un régime protecteur et digne. Nous refusons cette pratique de division des concitoyens, nous refusons le nivellement vers le bas que nous propose le gouvernement. Quand 9 actifs sur 10 sont opposés à votre réforme, cela signifie que les stratégies de diversion et de bouc émissaire ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, des millions de gens à travers le pays refusent votre contre-réforme sociale. Des millions de gens sont droit dans leurs bottes et vous disent leur refus non négociable de la retraite à 64 ans. Comme Alain Juppé en 95, il est encore temps de renoncer. Merci Madame la députée. L'amendement 2024, qui le défend ? Monsieur Piquemal. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, pourquoi, après tout, y a-t-il des régimes spéciaux ? Parce qu'il y a des métiers spéciaux. Parmi eux, celui de militaire, sur lequel vous avez essayé d'attaquer en commission défense pour allonger la cotisation des militaires et leur départ à la retraite. Il y a des métiers spéciaux et il y a des métiers essentiels.
La différence entre l'un de vous, chers collègues, et un chauffeur de la RATP en région Île-de-France ou de Tisséo en région toulousaine, quelle est-elle ? C'est que si demain vous faites grève, personne ne s'en aperçoit. Alors que si le chauffeur, et on l'a vu aujourd'hui, fait grève ici, on s'en aperçoit. Et donc on a une différence d'essentialité et d'utilité. Ça doit vous rappeler à une certaine humilité aussi. Par ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la pénibilité. Et on sait à quel point être chauffeur de la RATP, agent de la RATP ou de TCO peut être pénible. Mais la pénibilité, elle est physique, mais elle est aussi mentale. Et moi, j'appelle ici parce que je le vois dans les couloirs, vos assistants parlementaires qui font grise mine, parce qu'ils doivent se fader des députés qui vont leur rallonger leur durée de cotisation pour avoir la retraite. Je lance un appel à tous ces assistants parlementaires. Samedi, nous avons une grande journée de mobilisation. Rejoignez-nous, assistants parlementaires macronistes. Ne vous laissez pas faire. Bien, merci, monsieur le député. Le 21-35, qui le présente ? Madame Amiot. Merci, monsieur le président. Allez-y. C'est après de longues luttes que les travailleurs et les travailleuses de la RATP ont réussi à faire reconnaître la réelle pénibilité de leur métier et la diminution, surtout, de leur espérance de vie. Vous ne nous faites que de nous rabâcher que l'espérance de vie augmente et que c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument augmenter la durée de vie et la durée de cotisation. Il se trouve que pour ces travailleurs et ces travailleuses, ce n'est pas le cas. Les horaires décalés et réguliers, le travail de nuit, de week-end, les mouvements répétitifs qui causent des troubles musculo-squelettiques, les heures passées sous terre à ne pas voir la lumière du jour. Cette pénibilité est telle que malgré un régime spécial, c'est déjà un travailleur sur cinq qui n'atteint pas l'âge de la retraite et qui est classé en incapacité de travail. Un travailleur sur cinq qui n'atteint pas l'âge de la retraite aujourd'hui avec leur régime spécial. Et vous, vous voulez rallonger ce temps. Que faisons-nous ? Nous faisons des gens qui vont devoir vivre à nouveau au crochet de cette société à coup d'indemnité. Et nous allons de ce fait rallonger la charge sociale de ces travailleurs que nous allons pousser encore plus loin. Finalement, les économies que vous voulez faire vont nous coûter très cher et bien plus cher que celles que vous faites. Face à cette injustice totale, les travailleurs et travailleuses seront dans la rue dès samedi, comme ils l'ont été aujourd'hui, comme ils l'ont été samedi dernier, pour manifester contre cette réforme, parce que personne n'en veut. Ce que nous voulons, c'est revenir à la retraite à 60 ans pour toutes et tous, et avec un régime qui permet de couvrir toutes et tous des salaires et des pensions dignes pour toutes et tous. Et c'est très simple pour y arriver. Augmenter les salaires des femmes au niveau de celui des hommes. Aller récupérer les cotisations. Merci, madame que nous la avons députée. Exemptées auprès des grandes entreprises. Merci. Le 39-99, il est défendu par qui ? Madame Simonnet. Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de la commission des affaires sociales, j'avais invité les députés macronistes à se rendre au dépôt de bus Lagny pour rencontrer les machinistes receveurs. En d'autres termes, ce métier de conducteur et conductrice de bus. Vous auriez pu rencontrer Nathalie. Nathalie, elle a commencé à 17 ans. En 1983, elle a fait différents emplois, dont 7 ans dans la restauration. Elle s'est engagée à la RATP en 1994. En tant que machiniste receveur, c'est-à-dire conductrice de bus. Son métier, elle l'aime. Pourtant, depuis cette date, elle assume de subir des horaires décalés. Quand elle est du matin, c'est 4h30 que commence sa journée de travail. 4h30 du matin, le milieu de la nuit, au mépris du rythme du sommeil. Elle alterne, qui plus est, avec des semaines où elle est du soir et termine à 2h du matin. Nathalie, c'est une mère de famille, de deux enfants, qui a dû sacrifier nombre de vacances scolaires et tant de réveillons de Noël et du jour de l'an.
Nathalie, son droit à la retraite, elle l'a bien mérité. Âgée de 57 ans, avec 28 ans et 6 mois de RATP, elle va pouvoir partir en retraite. Et elle fait grève. Elle fait grève car pour elle, il est hors de question de céder au poison de la division que vous distillez, qui voudrait qu'avec votre clause du grand-père, les machinistes ne pensent qu'à leur gueule et s'en moquent que les machinistes d'après perdent leurs droits conquis. Elle fait grève parce qu'elle est attachée au service public de la RATP, que vous condamnez à la privatisation, alors que les démissions des chauffeurs RATP sont un niveau historique, que la RATP n'arrive pas à recruter, que ce sera pire demain si les chauffeurs n'ont plus les droits de compensation. Elle fait grève et aujourd'hui elle manifestait et samedi elle manifestera encore parce qu'elle exige avec des millions d'autres Français le retrait, vous entendez ? Le retrait de votre réforme. Merci Madame la députée. 59-54, qui le défend ? C'est Madame Hérodi. Merci Monsieur le Président, collègues. Tous les Parisiens s'en rendent compte, ces derniers temps, prendre le métro est parfois plus difficile qu'une épreuve de Fort Boyard. Engorgement, temps d'attente trop long, dysfonctionnement multiple, quelle en est la cause ? La principale raison de ce désarroi... Ils vont arrêter de hurler en face ou pas ? La principale raison de ces désagréments est la gestion calamiteuse de la RATP. Plus spécifiquement, des problèmes de maintenance liés à un manque d'investissement chronique dans les infrastructures et des difficultés de recrutement. Oui, la vie de conducteur de métro ne fait pas rêver. Horaires décalés, planning qui change radicalement d'une semaine à l'autre, mouvements répétitifs. Et pour finir, apparition de pathologies de troubles et de troubles musculo-squelettiques et inaptitude pour un salarié sur 5. Face à cela, que propose le gouvernement ? De supprimer le régime adapté à moins de 5% des salariés de la RATP de partir avant ceux du régime général. Ils peuvent écouter à Macronie ou pas ? Monsieur Terlier, on peut parler ? Merci. Continuez, Madame la députée. Vous n'arrivez... Madame la députée a la parole, elle poursuit son propos. On ne s'entend pas. Vous n'arrivez pas à recruter à cause des conditions de travail désastreuses. Très bien, rendre les carrières encore plus pénibles, nous dit le gouvernement. C'est absurde. Ah, c'est vrai, vous voulez supprimer tous ces régimes pour remplacer les dispositifs de départ anticipés par le compte professionnel de prévention. Autrement dit, on empêche les salariés exerçant des métiers pénibles de partir un peu avant pour éviter des problèmes de santé. Et, une fois les corps abîmés, on constate les dégâts. Pour vous, un bon retraité est un retraité endommagé. Nous souhaitons que le régime adapté de la RATP soit maintenu. Nous vous invitons donc à voter cet amendement à minima. Et si le cœur vous en dit, si vous en avez un, retirez cette odieuse réforme des retraites. Merci. Merci, Madame la députée. L'amendement 12507, c'est Madame Rouleau qui le présente pour le RN. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 et 2 afin de conserver le régime spécial de la RATP, régime autonome des transports parisiens. La caisse de retraite du personnel de la RATP a été auditionnée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et voici ce qu'il en ressort. Avec la suppression du régime spécial de la RATP, il faut prévoir 2000 à 3000 entrées par an en moins, c'est-à-dire 20 à 30 millions de cotisations retraite en moins chaque année. Ce serait alors 25 millions de cotisations en moins, compte tenu du fait qu'il n'y aura plus les cotisations des nouveaux entrants. Et ce, sans parler de l'ouverture à la concurrence du monopole de la RATP dès le 1er janvier 2025. La situation se dégraderait ensuite fortement avec une augmentation de la part de l'État. En 2025, plus de 19 000 salariés quitteront l'entreprise pour aller dans des filiales ou des entreprises concurrentes en vertu de l'ouverture du marché. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 dispose que ces personnes conserveraient leurs droits de retraite. En pratique, un paradoxe serait à gérer dans les années à venir en cas d'adoption de la réforme des retraites. Des salariés travailleraient à la RATP en étant au régime général et des salariés qui ne travailleraient plus à la RATP en restant au régime spécial. Dans le climat social actuel et face aux graves difficultés de recrutement des conducteurs de métro et de bus pour la RATP, le Rassemblement national souhaite sauvegarder ce régime spécial.
Merci, Madame la députée. L'amendement 1301, Monsieur Rome est déjà en piste. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous souhaitons que le régime de retraite issu d'accords collectifs de la RATP soit maintenu. Votre volonté de supprimer la retraite de 5% des salariés de la RATP, seulement 5%, est une volonté bornée, étriquée, revancharde sur les droits acquis dans le passé par les travailleurs. Vous ne voulez pas prendre en compte la pénibilité du travail. Vous ne voulez pas prendre en compte que le travail d'aujourd'hui, comme celui d'hier, fait mal pour celles et ceux qui travaillent dur, pour celles et ceux qui se lèvent tôt le matin et qui travaillent tard le soir en laissant leur famille, pour celles et ceux qui ont des horaires hachés et font des gestes répétitifs pendant 30 ans. Entendez les travailleurs de la RATP, on est usé par le travail. On a travaillé sur des horaires décalés. On peut aussi se retrouver à travailler tôt le matin pendant une semaine et la semaine suivante basculer sur le travail de nuit. À force de faire toujours les mêmes mouvements, on a beaucoup de collègues qui ont des pathologies, des troubles musculo-squelettiques. Un collègue sur cinq finit en inaptitude. C'est beaucoup. Eh bien, c'est pour ça qu'à début d'année, dans les transports scolaires, nous n'avons pas trouvé de chauffeurs de bus. Ce n'est pas une autre cause. Votre bilan sur la pénibilité, c'est la suppression des 4 critères en 2017. La Cour des comptes nous disait en décembre dernier que votre compte de pénibilité ne répond en rien aux objectifs, qu'il n'a aucune vertu de prévention, qu'il n'est pas à la hauteur des objectifs et qu'il s'était assigné. Ce régime spécial, oui, car il est avancé, il est bien plus avancé que les autres, car il prend en compte, et cela depuis longtemps, ce que le travail que l'on aime faire et que l'on aime bien faire peut aussi faire mal. Et il est important de pouvoir partir, non pas 64 ans, deux ans plus tard, mais bien 2 ans avant, à 60 Merci. Ans. Sur le vote des amendements, 684 est identique. Je suis saisi par le groupe de la France Insoumise et le groupe socialiste d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement 16018, Monsieur Dupont-Aignan, je ne le vois pas. Le 1865, c'est Monsieur Monnet qui le défend, pardon. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots, Madame la Présidente de Commission. Vous avez prétendu qu'une majorité des Français était contre les régimes spéciaux. Mais c'est normal, puisque depuis le début des débats et depuis de nombreux mois, vous distillez un certain nombre de fausses informations, parfois caricaturales. Les régimes spéciaux, c'est ni plus ni moins qu'une prise en compte des pénibilités. Et elles ne se valent pas toutes, les pénibilités. Et si nous nous opposons à la suppression des régimes spéciaux, c'est parce que nous considérons que les supprimer, c'est nier la pénibilité au travail. Parce que les régimes spéciaux sont une juste appréhension du travail. Mais Monsieur le Ministre, vous ne manquez pas de culot quand même. Vous avez cité Ambroise Croizat. Pour mémoire, quand Ambroise Croizat, quand il y a eu la création du régime général en 1945, l'objectif, c'était d'aligner le régime général sur les régimes spéciaux. C'était d'un alignement par le haut. Alors, vous savez, ce qui vous distingue d'Ambroise Croizat, vous et votre réforme, c'est que lui voulait le meilleur pour son peuple. Merci, monsieur le député. Nous poursuivons l'amendement 1905. Monsieur Quatennens. Merci, monsieur le président. Cette réforme des retraites n'est justifiée que pour faire des économies. Et quelles économies? On nous dit que la démographie est incontestable, mais la productivité, elle, l'est aussi. Une heure de travail de 1990 produisait déjà 25 fois plus qu'une heure de travail en 1830. Et entre 1970 et 2015, la productivité du travail a encore triplé. Depuis 1975, la richesse produite a, elle, été multipliée par presque 9. Cette richesse a explosé. La population active a augmenté de 25%, mais comme le temps de travail n'a pas diminué, le chômage et la compétitivité se sont accrus. Le sens de l'histoire, le sens du progrès, n'est donc pas de travailler toujours plus, mais de consacrer davantage de la richesse produite au financement des retraites, au financement du temps libre. Dès lors, pourquoi un tel détricotage? Simplement pour financer les pertes dues
aux cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux actionnaires. 6,4% du PIB, c'est ce que représente le montant des aides perçues par les entreprises, soit plus de 30% du budget de l'État. Or, ces baisses de cotisations tirent l'économie française vers le bas, sans effet sur l'emploi. Cette réforme des retraites, incluant la fin des régimes spéciaux, vise à faire des économies estimées à 2,8 milliards à horizon 10 ans. Cela représente moins d'un an de perte de recettes suite à la suppression de l'ISF en 2018, 5 fois moins que ce que rapporterait l'ISF renforcé que nous avons à plusieurs fois proposé d'instaurer. C'est également 20 fois moins que le manque à gagner engendré chaque année par l'ensemble des baisses d'impôts mises en œuvre au cours du premier quinquennat. Bref, une nouvelle fois, ce sont toujours les mêmes qui paieront et ils sont nombreux à vous dire leur refus de consacrer 2 années de leur vie supplémentaire à payer pour vos choix. Merci, monsieur le député. Le 19-976, madame Sebaï. Merci, monsieur le président. Alors, les régimes spéciaux, c'est un peu le dommage collatéral de cette réforme. Parce que vous utilisez finalement ces régimes spéciaux pour détourner l'attention de votre réforme et diviser les Français. Mais les Français ne sont pas dupes de vos manœuvres et ils sont toujours opposés à cette réforme. Alors vous nous proposez la suppression du régime spécial de la RATP. Quand on voit en Île-de-France la paupérisation des transports en commun, l'abaissement des salaires, l'affaissement des conditions de travail, la baisse de l'attractivité qui fait que nous n'avons plus assez de chauffeurs, on vous le dit, arrêtez le nivellement par le bas. Vous nous expliquez que d'autres chauffeurs de bus ailleurs souffrent. Eh bien, chiche, nivelons par le haut pour tout le monde, pour tous les chauffeurs en France, et il n'y aura plus d'inégalité dans ce pays. En réalité, si vraiment vous pensez aux travailleurs, et puisque vous n'avez pas arrêté de nous dire la larme à l'œil que c'était une réforme de justice sociale, eh bien dans ce cas-là, allons jusqu'au bout, nivelons par le haut, augmentons les salaires, améliorons les conditions de travail pour les chauffeurs de bus, mais surtout, supprimez cette réforme. Merci, madame la députée. J'ai des demandes de prise de parole. Je vais donner la parole à monsieur Bazin pour le groupe LR. Pardon, je vais trop vite. J'ai d'abord l'avis de madame la rapporteure, pardon. Monsieur Bazin attendra un petit peu. Merci, merci le monsieur pardon, le président. Pardon, rapporteur. Donc sur ces amendements identiques, donc c'est un avis défavorable parce que vous supprimez l'alinéa 1 et 2 dans cet article 1er qui ferait que tous les agents de la RATP seraient affiliés au régime général par votre amendement, par l'écriture de votre amendement. Mais je voudrais répondre aussi à la collègue de la NUPES qui a dit que le système se portait bien. Et je crois au moment de l'examen de cet article 1er, il est très important d'être très précis sur ce qui a été dit ou pas. Le Conseil d'orientation des retraites n'a pas dit que le système se portait bien. Le Conseil d'orientation des retraites fait des projections et non des recommandations. Le comité de suivi des retraites, lui, interprète les résultats et alerte sur la situation. Dans son avis de septembre 2022, ce comité de suivi des retraites dit, je cite, « Le choc en cours est d'ordre structurel. On est à risque de déséquilibre significatif à court et moyen terme qu'amplifierait la poursuite de conditions économiques dégradées. Tout cela oblige à reposer la question des voies d'équilibrage du système de retraite. Il me semblait important qu'au début de l'examen de ce texte, nous puissions bien être clairs sur la nécessité de rééquilibrer notre système des retraites. Merci, madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. C'est évidemment un avis défavorable. Nous avons un article qui propose de mettre fin aux régimes spéciaux pour la plupart d'entre eux. Nous avons repoussé, l'Assemblée a repoussé les amendements de suppression de l'article. Il s'agit maintenant de déclinaison, régime par régime. Celui de la RATP est estimé pour un coût de 700 millions d'euros. Et la recherche d'équité, ainsi que la période de convergence que j'évoquais tout à l'heure, nous amène à donner un avis défavorable à tous ces amendements. Merci, monsieur le ministre. Et voici donc les demandes de parole. Monsieur Bazin pour les Républicains. Merci, monsieur le président, messieurs les ministres, madame la présidente de commission, madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Par ces amendements portés par les extrêmes des deux côtés de cet hémicycle, vous voulez conserver
le régime spécial de la RATP. Pourtant, la Caisse de Sécurité Sociale, chargée de la gestion du régime spécial de la RATP, dépend en grande partie des subventions de l'État. La dotation de l'État pour couvrir les droits ouverts pour le régime de la RATP devrait être, en 2023, de 810 millions d'euros. En 2023, elle était, en 2013, de 611 millions d'euros, soit une hausse de 33%. 810 millions, c'est moins que la revalorisation des petites retraites portée par ce PLFSS rectificatif pour 2023. L'employeur et les salariés ne financent qu'à hauteur de 40% les dépenses du régime. C'est une atteinte à l'universalité de notre système par répartition. Pourquoi l'État apporterait un tel soutien aux territoires couverts par la RATP alors que ce n'est pas le cas ailleurs dans l'Hexagone? C'est profondément injuste territorialement. Les mêmes personnes qui exercent le même métier ailleurs dans notre pays ne bénéficient pas de telles conditions. Est-ce juste? Cela génère un sentiment d'injustice sociale mêlé d'un sentiment d'inéquité territoriale. Pourquoi l'âge d'ouverture des droits pour les agents d'exploitation serait plus faible? Pourquoi, en cas de départ anticipé, la décote serait plus faible que pour les fonctionnaires ou les salariés du secteur du privé? Pourquoi les âges d'annulation de la décote demeurent plus faibles? Tous ces éléments contribuent à un sentiment d'injustice profond. Il nous faut le corriger. C'est pourquoi nous nous opposerons à ces amendements qui veulent maintenir des avantages pas toujours justifiés alors où d'autres font des efforts. Merci, merci monsieur le député. Pour le groupe LFI, monsieur Porte. Merci monsieur le président, messieurs les ministres. Évidemment, vous l'aurez compris, on vous propose de maintenir le régime spécial de la RATP. Justice, équité, égalité. Depuis le début des débats ici en hémicycle, vous n'avez que ces mots à la bouche. Mais quelle justice y a-t-il à supprimer le régime spécial de la RATP? Faire travailler 2 ans de plus les salariés de la RATP va-t-il améliorer le sort des conducteurs de bus de Toulouse, Orléans ou Tours? Évidemment, non, mais cela vous importe peu, messieurs les ministres. Votre projet, c'est la régression sociale pour tous. En vérité, et monsieur Attal, vous l'avez rappelé avec beaucoup de sincérité lors de vos propos en parlant de la réforme de la SNCF. Vous êtes ici en service commandé. En service commandé pour vous payer des régimes spéciaux parce qu'ils représentent tout ce que vous détestez, l'intérêt général, la solidarité et le service public. Quelle justice, monsieur le ministre, a attaqué un régime spécial qui permet à des salariés de partir plus tôt au regard des conditions de pénibilité? Quelle justice a volé 2 ans de vie à des femmes et des hommes qui travaillent en horaire décalé en 3-8, les week-ends et jours fériés, qui doivent gérer le stress et la circulation des usagers? Quelle justice a sacrifié des salariés, alors même qu'au moment de partir à la retraite, un salarié sur 5 de la RATP est déjà en inaptitude? Aucune, évidemment, et vous le savez, monsieur le ministre. Rien ne justifie cette suppression. Et les propos que vous avez tenus hier à la tribune, qualifiant les salariés de la RATP de privilégiés, les montrant du doigt, sont indignes d'un ministre de la République. Mais vous les présentez comme des privilégiés, mais qui sont les privilégiés de ce pays? Beaucoup l'ont rappelé ici, et le très bon journal L'Humanité l'a rappelé aujourd'hui. Ces patrons du CAC 40 qui se gavent, accumulent des sommes astronomiques, ne produisent rien, spéculent et sont des véritables parasites dans ce pays. En vérité, monsieur le ministre, avec cette réforme, vous voulez enterrer les Français, mais les Français vont enterrer votre réforme et personne dans ce pays n'en veut. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Renaissance, madame Berrette. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, vous nous parlez toute la journée d'équité. Où est l'équité sur ces régimes qui sont nés pour de bonnes raisons il y a des années? Plus de 69% des Français sont contre, selon un sondage OpinionWay du 27 janvier. Et ça vaut pour la RATP. Pourquoi ne retenir que les sondages qui vous arrangent? Assumer les régimes spéciaux reflétaient d'une pénibilité. Mais nous le savons, en 2023, cette dernière est inhérente à chaque métier. Moi, j'assume en toute sincérité de me dire qu'il est intolérable que pour un même métier, d'un employeur à un autre, il y ait des années de travail en plus. Vous nous parlez de 2 ans en plus. Ici, il y a parfois un delta de 5 ans pour un même métier. Et tout cela passe comme à la poste.
Certains de ces régimes sont déficitaires et vous le savez pertinemment. 6 millions de subventions de l'État et 2 millions d'euros de taxes affectées. Ce sont des régimes équilibrés, certes, mais sur le dos d'un certain nombre de Français. Je vous le demande, les yeux dans les yeux, comment pouvez-vous l'accepter ? Comment pouvez-vous défendre ce que vous citez depuis le début des travaux et accepter cela ? Pendant des années, nous avons supporté des différences entre les régimes. Nous devons commencer à rectifier le tir. La pénibilité à titre individuel est traitée dans l'article 9. Si vous retirez vos amendements d'obstruction, nous pourrons aborder ce thème sans aucun doute. Et ce thème est attendu de la part des Français et également des cheminots. Michael, qui fait les 3-8 de nuit, ne travaillera jamais jusqu'à 64 ans. Il partira sans nul doute 2 ans avec, merci, avant l'âge légal. Merci, Madame la députée. Merci. Pour le groupe GDR, Monsieur Roussel. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, cette discussion a été très intéressante parce que quand même j'ai trouvé que nous étions nombreux à faire plusieurs constats équivalents. D'abord, la RATP a du mal à embaucher. La RATP a du mal à embaucher. C'est une réalité et il manque de chauffeurs de bus, il manque de chauffeurs de métro. Chers collègues, ce Vigier, c'est certainement parce qu'il manque de salariés. 250 élus d'Île-de-France, 250 élus d'Île-de-France attendent toujours un rendez-vous auprès de la Première ministre pour soulever ce problème. Le deuxième constat, c'est que, vous l'avez dit, nous l'avons tous dit, c'est que dans toutes les sociétés de transport, du privé comme du public, dans toutes les sociétés de transport, les conditions de travail sont difficiles et toutes ces sociétés ont du mal à embaucher parce que, justement, ces métiers sont pénibles et difficiles. Et donc, le troisième constat que nous faisons, c'est que dans l'avenir, il va falloir beaucoup plus de conducteurs de bus et de métro parce que nous voulons développer les transports collectifs, notamment pour tenir nos objectifs climatiques. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous disons que, justement, il faut garantir de bonnes conditions de travail à tous ces salariés du public comme du privé, tenant compte de la pénibilité de tous ces métiers. Il faut rendre attractifs ces métiers, et par le salaire, et par des départs anticipés, qu'ils puissent partir plus tôt, justement, pour donner envie aux jeunes de s'inscrire dans ces métiers. Vous, ce que vous voulez faire, c'est tirer par le bas ces professions, en commençant par les RATP, et en leur demandant à tous, du privé comme du public, de travailler plus longtemps. Vous tirez la France par le bas, vous tirez les travailleurs par le bas. Nous, nous voulons le meilleur pour la France. Tirez tous les salariés par le haut et réservez ces régimes pionniers à tous les chauffeurs et tous les conducteurs de France. Merci, monsieur le député. On essaye de terminer dans le silence. On pourra voter si tout se passe bien. Groupe Rassemblement National, monsieur Tanguy. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, madame la rapporteure. Écoutez, chers collègues, fut un temps où en France, les dirigeants politiques, les élites, se faisaient un honneur d'accorder des droits nouveaux aux Françaises et aux Français. Le progrès politique, c'était d'accorder de plus de droits. C'était de reconnaître la pénibilité du travail, de reconnaître la valeur du travail. Aujourd'hui, vous vous croyez courageux en opposant systématiquement les Françaises et les Français les uns aux autres, en faisant croire que le régime de la RATP sont des grands privilégiés par rapport aux autres Français. Vous prenez la pire des situations, vous prenez la pire situation, à savoir des chauffeurs de bus qui n'ont pas la chance d'avoir le régime de la RATP pour imposer la norme. Mais la norme, ce serait que les chauffeurs de bus de toute la France aient le régime de la RATP. Car la réalité, c'est que oui, ce sont des métiers pénibles. Il est très difficile de conduire un bus, il est très difficile de conduire un train. Donc ce Parlement, l'honneur de ce Parlement serait en fait de reconnaître le régime de pénibilité des métiers du transport.
et de l'accorder à tous les Français et tous les Français qui transportent des gens tous les jours sur le territoire. Or, vous êtes dans la gestion de la pénurie. Vous n'êtes que dans le régime sacrificiel pour les Français. Le Rassemblement national est constant. C'est l'égalité pour tous les Françaises et pour tous les Français, par le haut, jamais par le bas. Merci. Pour le groupe écologiste, Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, vous n'avez répondu à aucune des questions pourtant précises sur le système sur le régime spécial de la RATP. La première de nos remarques, c'est sur la privatisation que mon collègue Gage a soulevée. Oui, en réalité, ce que vous souhaitez, c'est supprimer ce régime spécial pour favoriser la privatisation à la RATP, alors que dès aujourd'hui, les conditions de transport sont déplorables dans toute l'Île-de-France, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les bus. Vous ne répondez pas non plus à la question de l'attractivité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, elle est déjà en grande difficulté, mais vous allez l'aggraver consciemment. Alors que nous sommes aujourd'hui face à une réalité qui s'impose à nous, du dérèglement climatique, du nécessaire investissement dans les mobilités et dans les transports en commun, vous allez dégrader l'attractivité de la RATP, alors que, je le disais, les conditions de transport sont aujourd'hui déplorables dans le quotidien des Franciliens et des Franciliennes. Et enfin, vous ne répondez pas à la question de la pénibilité. Les chauffeurs de bus ont comme risque les vibrations, les ports de charges lourdes, les risques psychosociaux qui ne sont pas dans le C2P. Alors avec votre projet, qu'auront-ils? S'ils ont de la chance et que leurs branches discutent, ils auront une magnifique visite médicale à 61 ans. Alors là, vraiment, chapeau, c'est extraordinaire. On ne peut pas traiter la situation réelle. Alors peut-être qu'au lieu de nous regarder les yeux dans les yeux, regardez le réel. Merci. Pour le groupe démocrate, Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur les ministres, je regarde le Président Roussel, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Monsieur le Président Roussel, vous n'avez pas... Secrétaire général, pardon. Il a voulu être président. Continuez, ça viendra peut-être un jour. Cher collègue Roussel. Allez, on laisse terminer, Monsieur Vigier. À l'instant que vous étiez attaché au fait que l'on défende l'ensemble des travailleurs et la pénibilité, vous n'avez pas le monopole de leur défense, nous avons cela en partage également. Mais je voudrais juste vous dire une chose. Nous ne pointons pas du doigt la RATP, nous disons juste qu'il faut commencer à harmoniser avec les autres régies de transport qu'on trouve sur tout le territoire national. Je vous pose une question et j'espère que vous aurez l'honnêteté de m'y répondre. Votre collègue Nicolas Sansu est là. Je suis élu d'une région dans laquelle la gauche est au pouvoir dans une alliance avec les communistes, les socialistes, les écologistes et les insoumis. Est-ce que oui ou non dans cette région, vous avez mis en place un régime spécial pour l'ensemble des travailleurs de cette autorité organisatrice? Jamais! Jamais! Et voilà, chers collègues Roussel et chers collègues écologistes, la ville de Poitiers, la ville de Bordeaux, la ville de Tours, toutes ces villes, Besançon, qui sont devenues des villes de gauche, des villes écologistes, avez-vous, oui ou non, mis en place un système de retraite spéciale? Non, vous ne l'avez pas fait. Donc, voyez bien, nous vous prenons ici en flagrant délit en vous disant qu'il y a les bonnes réformes que vous annoncez à Paris et sur le terrain, vous ne les faites pas. Merci, monsieur le député. Pour... Chers collègues, Mais j'y viens, Président Chassaigne. Dites-nous sur le fondement de quel article vous souhaitez faire votre appel au règlement et prenez la parole. Je vous écoute, Président Chassaigne. Non, il n'y a pas. Non, sinon on ne pourra pas voter. Donc, où il y a un rappel au règlement, il n'y en a pas. Oui, non.
Bon, je considère qu'il n'y a pas de rappel au règlement. Monsieur Gage, au groupe socialiste. Gage. Je vous le donne, je vous le fais juste après, je viens de donner la parole à monsieur Gage. Et il ne faut pas mettre en cause allez-y, monsieur le président Gage. Chassaigne. D'abord, collègue Vigier, c'est bien des effets de tribune, mais on va peut-être rappeler une petite... On va peut-être rappeler... Président. Merci. Est-ce que, chers collègues... Merci. Je ne peux pas parler. Vous allez avoir la parole. On écoute, monsieur Gage. Nous nous approchons de l'heure fatidique du vote. Président Vigier, vous pouvez déployer des arguments, mais s'il vous plaît, avec un peu de robustesse, vous savez pertinemment... Alors, il n'est pas président non plus, pardon. Alors, collègue Vigier, voilà. C'est l'école des fans. Tout le monde est président. Cher collègue Vigier, vous pouvez déployer des arguments, mais de grâce, avec de la robustesse. Vous savez pertinemment qu'un conseil régional ne peut pas créer un système de retraite. Nous sommes encore un État unitaire, jacobin, dans lequel aucune collectivité locale ne peut créer un système de retraite. Donc, s'il vous plaît, de grâce. Alors, j'en viens à mon propos sur la sauvegarde du régime spécial de la RATP. Mes chers collègues, dans cet hémicycle, sur des bancs très différents, nous sommes 97 députés franciliens. Et chacun de ces 97 députés franciliens connaît les conditions désastreuses des transports en Île-de-France aujourd'hui. Ces conditions s'expliquent pour partie par les difficultés de recrutement. Il manque 700 chauffeurs de bus à la RATP, 1200 sur les autres modes de transport. Et avec le maintien d'un régime spécial et la prise en compte spécifique de la pénibilité, nous pouvons conserver l'attractivité de ces métiers. Valérie Pécresse échoue dans sa révolution des transports et vous l'accompagnez d'une certaine manière dans l'échec de cette révolution des transports. Mes chers collègues, tout à l'heure, Gabriel Attal et un autre de nos collègues députés du groupe Renaissance nous a dit... les sondages disent que 75% des Français sont favorables à la suppression des régimes spéciaux. Oui, mais les sondages disent aussi que 70% des Français et 90% des salariés sont opposés à la retraite à 64 ans. Si, monsieur ans. Le député. Merci, alors, monsieur le député. Écoutez la parole voilà, du peuple. Nous avons fait le tour, monsieur le député. Merci. Alors, on va essayer de terminer dans le silence. Le président Chassaigne a un rappel au règlement et puis nous procéderons au vote. Quel article ? Au titre de l'article 70, je suis très hésitant parce qu'il y a eu en fait, d'une part, alinéa 3, il y a une mise en cause personnelle. Non. Non, il y a une question d'un député, mais il n'y a pas une mise en cause. Non. Ah si. Qui ? Ah si. Allez-y, monsieur le président. Dans ce cas-là, je pourrais passer à un autre alinéa parce que j'estime qu'il y a une forme d'injure en mes rétrogradant. Laissez le président Chassaigne faire son rappel au règlement. J'estime que Fabien Roussel doit répondre puisqu'il a été mis en cause par un intervenant. Ce n'est pas le cas. Alors, chers collègues, nous allons maintenant procéder au scrutin. Et je vais mettre aux voix les amendements 684 identiques en vous demandant de regagner vos places dans le silence. Donc sur ces amendements 684 identiques, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et voici le résultat du scrutin. Votants 354, exprimés 350, majorité 176, pour 149, contre 201. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Prochaine séance, demain, 15h, suite du projet de loi de financement rectificatif de sécurité sociale pour 2023. La séance est levée. Bonne nuit, à demain.